Bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir mes chers compatriotes. Hein. Bonsoir tout le monde. Veuillez partager le live, s'il vous plaît. C'est l'heure des vérités. Voilà, l'heure des vérités sur la PDG TV. Le rendez-vous, notre rendez-vous de chaque dimanche, blessé de guerre. Connectez-vous, partagez. Bonsoir la team, bonsoir les abeilles, bonsoir la TKC. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis d'Amérique, plus précisément à Baltimore, à Washington, toutes les villes des États-Unis. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis le Cameroun. Partagez le live, partagez, c'est guérir. Hein? Le live de la reine mère, quand tu partages, tu soignes et tu dénonces. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut partager le live pour que les gens, vous voyez, les pages sont restreintes. C'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de gens qui nous doivent, nous voient pas en live. Donc, veuillez partager le direct. J'ai à dire et je vais parler. Bonsoir, Nathalie Owen. Tu vas bien? Ça va? Est-ce qu'on souhaite encore la bonne année? 7B. La douce Flore. Bonsoir, toi. Nikon Jo. Aïe. Maria, bon, bon nom du village là, Mafoflore, bonsoir. Claudia Day, déesse, voleuse de nom. Tu as pris le nom d'une autre personne. Stéphane Boulingo est là. Flore la douce, deux profils Flore la douce. Partagez les quotas, partagez les abeilles, partagez tout le monde. Lovely, bonsoir à toi. Christelle Maillot, bonsoir. Vanelle, bonsoir à toi. Otam attache pipi. Les noms de ça. Il a bien attaché, hein. Bonsoir à toi, chérie. Bonsoir à tout le monde. Quelqu'un débloque-moi. Quelqu'un, tu m'as débloqué. Longueur sans quoi? Largeur. Bonsoir à toi. Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct. On va commencer, s'il vous plaît. Poupi Mafo, bonsoir à toi chérie, ça va? Donc je demande à tout le monde de se connecter. Patou Adam, bonsoir à toi. Mafo, la monétisation est revenue, je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Donc c'est venu, hein? Ah, si c'est venu, il faut me dire. On va commencer les vrais directs. Et direct pour chercher l'argent. Bertrand Saumon Chic, bonsoir à toi. On va donc commencer le live. Aminata Gay, c'est vraiment elle. Coucou Aminata Gay, je ne sais pas si c'est toi ou c'est le faux ou c'est vraiment toi. Bonsoir à toi. Et joyeux anniversaire en retard. La vraie femme de l'autre. Maf, on ne ment jamais, évidemment. Lucky Luc de Reims, tu es où? Alex, bonsoir à toi. Quand vous partagez, je vous salue, non? Quand vous voulez que la reine mère, la PDG internationale, la blogueuse du peuple, la blogueuse du peuple, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas trop crier. Hein, parce que là, maintenant, je suis même malade. Mais j'ai tenu à faire ce direct. Le direct ce soir, c'est l'histoire de Christian
et Mercedes. Moi, je l'appelle Mercedes. Bon, c'est son nom Facebook. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, connectez-vous depuis les États-Unis. On attend le nom. C'est vraiment toi. Ah, c'est toi, Canoël. Oh, franchement, bravo d'avoir sauvé une Camerounaise, Aminata Gueye. C'est toi la vraie femme, non? Dès qu'il y a la monétisation, dites-moi. Le vrai clash va revenir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on a commencé quand Facebook n'existait pas encore. Quand il n'y avait pas de monétisation, nous ne sommes pas venus sur Facebook parce qu'on attendait quelque chose. Nous sommes venus sur Facebook parce qu'on a été là comme ça. Et puis, on a pris goût. Nous sommes restés. Je suis restée jusqu'à aujourd'hui. Et personne ne me fera partie de Facebook. Je quitterai quand j'en aurai envie. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, je vais commencer ce direct parce que l'introduction de ce live. Je vais commencer ce direct d'abord par saluer tout le monde, comme vous connaissez très bien, avec ma façon d'être et ma façon de parler, avec tout le respect que j'ai pour des personnes qui me suivent. Vous allez m'excuser d'être un peu grossière à l'entrée de ce live. Voilà, pour les personnes qui me suivent depuis des années, vous connaissez comment je suis. Voilà, ça sort comme ça sort. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, je le dis. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a créé mon Facebook ou bien qui me donne la connexion. D'accord? Donc, mes chers frères et sœurs, je vais commencer ce direct. Vraiment, 2023 sinon. C'est une année que j'ai décidé. J'ai décidé de ne pas faire n'importe quoi. Parce que 2023, pour moi, c'est une année de concrétisation. Ah, la monétisation est venue là-bas. C'est pas grave, on fait le direct ici. On fait quand même le direct ici. Hein? On fait ici, on ne part pas là-bas. On fait ici, à partir de demain, on va faire de l'autre côté. Bonsoir, Makalama Bobé, mon fils chéri. Donc, je suis désolée, mes chers frères et sœurs. Pour commencer ce direct, je vais dire une chose. Je veux que les Camerounais m'écoutent attentivement. Le meurtre de Martinez Zogo, tout le monde doit se sentir concerné. Ce n'est pas un meurtre. Ce n'est pas. C'est-à-dire que le meurtre de Martinez Zogo, paix à son âme, c'est un meurtre qui est tellement cruel que chaque Camerounais, chaque être humain doit se sentir concerné. Oui, chaque meurtre, chaque personne, chaque Camerounais doit se sentir concerné. Chacun a sa façon de manifester, de s'indigner. Voilà. Parce que les gens prennent ça, certaines personnes prennent ça pour avoir la visibilité sur les réseaux sociaux. Certains prennent ça pour la vengeance et pour tout ce qui va avec. Mes chers frères et sœurs, je me suis indignée parce que j'ai reçu les vidéos qui étaient tellement... C'est blessant, enfin, je n'ai même pas envie d'y penser. Tellement c'est choquant. Et personne ne peut accepter cela dans une république. Ce n'est pas une affaire de tribu. Ce n'est pas une affaire de ce n'est pas une affaire d'une histoire du village. C'est atroce ce qu'on a vu. Donc, chaque personne doit se sentir d'abord concernée, doit s'indigner. Et on a tous nos façons de s'indigner face à ce meurtre. Pour le moment, les coupables ne sont pas encore en prison. On attend la justice camerounaise faire son travail, mais on ne baisse pas les bras. On continue tous les jours à dire justice pour Martinez Zogo. Je n'ai pas besoin de chanter ça tous les jours. Je n'ai pas besoin de faire les directs tous les jours pour ça. Chacun a sa façon de dénoncer. Et j'ai toujours dit, je suis apolitique. Mais ce meurtre-là, ça ne concerne pas la politique. Comme on a dit, c'est un meurtre d'État. Ça pouvait arriver. Ça pouvait m'arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Les gens sont en train de s'indigner pour dire que plus jamais ce genre de cruauté dans une nation. Que plus jamais. En France, les gens s'indignent. Quand il y a un truc, pourquoi au Cameroun ne peut pas s'indigner? Et qui défend à quelqu'un de s'indigner au Cameroun? Personne, il y a des gens là-bas au Cameroun qui s'indignent, qui parlent, qui s'expriment. Hein? Qui s'expriment. Même si on dit qu'on veut voir nos enfants grandir, vous pensez que qui peut-on être sensible face à ça? Personne. Mieux se prendre une balle dans la tête. Comme ça, au moins, tu meurs sans torture. Vous connaissez ce que c'est que la torture? C'est comme dans un film d'horreur. Le président de notre pays a pris... Il a pris à cœur. Parce qu'il a... Le président de la République même se sent menacé. Oui, le président de notre pays se sent menacé. Il comprend que l'entourage, là où il est là, non, on peut l'enlever à tout moment. Vous pensez qu'il peut accepter ça? Donc, arrêtez un peu.
Derrière ce meurtre, on apprend beaucoup de choses. On découvre beaucoup de choses. Toi, là, je te bloque d'abord. Tu dégages. Même comme on m'a dit que ne dis plus, je te bloque. Voilà. Donc, tu viens ici faire sweep. Ne m'énerve même pas. Donc, chacun a sa façon de dénoncer. Chacun a sa façon de s'indigner. Mes chers frères et sœurs, si on me donnait aussi, peut-être j'allais prendre et manger. Mais on ne m'a jamais donné. Je sais que mon nom n'est pas dans la liste. Et ces listes-là, même quand on dit que la liste a fait que là, c'est l'Ombrakata, c'est les listes du Congo, ça. C'est le Congo, ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le Congo, ça. Hein? C'est pas parce que, mes chers frères et sœurs, nous sommes peut-être tous entourés des meurtriers sans le savoir. Est-ce que si ton père ou ta mère ou ta soeur te fait quelque chose, tu es responsable de ça? Tu n'es pas responsable. Donc, je suis apolitique et je veux que les gens comprennent ça. Je vais m'adresser directement aux petits farfelus, là, certaines personnes là qui se sont... Mais je n'ai pas envie de les répondre. Je ne veux pas les répondre parce que ce n'est pas le moment. Ce sont les gens qui cherchent la visibilité. Je n'ai pas envie de vous répondre. Ce n'est pas vous qui m'avez dit de faire ceci, de faire cela. Non, je me suis indigné comme chaque Camerounais, comme tout le monde s'indigne. Ce n'est pas par rapport à quoi que ce soit. Ce n'est pas un meurtre de parti politique. Ce n'est pas une histoire du village. Tout le monde s'indigne face à ça. Sauf les insensibles peuvent dire que non. Mais on attend que les coupables soient arrêtés, emprisonnés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je m'adresse à certaines personnes qui sont venues en Europe, certains sans-papiers là, qui se lèvent, ils se permettent de parler de moi n'importe comment. J'ai dit et je redis encore, ce n'est pas quelqu'un qui m'a payé mon billet d'avion, qui a cherché mon bain. J'ai cherché mon bain seul et j'ai cherché mon kaolo seul. Donc, je m'adresse directement à toi. Je n'ai pas envie de prononcer ton nom parce que je ne te fabrique pas. Tu cherches la Stamania derrière mon nom. Comme beaucoup de gens cherchent la Stamania. C'est de ça qu'il s'agit. Te prononce par rapport à quoi? Au lieu de courir dans le foie comme tu cours, va draguer une femme blanche. Si tu es un homme, tu cherches tes papiers. Prenez même le nom du président Paul Biya pour chercher les papiers, non, mon frère. Il y a beaucoup qui ont demandé l'asile politique. Quand on demande l'asile politique, n'est-ce pas? Il y a beaucoup qui mentent, qui sont kwandengue, alors que c'est faux. Il y a beaucoup qui disent qu'ils sont menacés au pays, alors qu'on les voit faire le Kota Milam pour arriver au pays, alors qu'ils ont demandé le Ngunda. Mais on les voit arriver au pays, le Kota Milam, non? Mon frère, va inventer ta part d'histoire. Tu déposes ton asile politique. Voilà, Annabella, il est devenu américain. Félicitations, Anna. Tu es devenu américain, mais félicitations. Tu as wa, tu étais sur Facebook, tu faisais tes directs. Les gens pensaient que tu étais folle. Alors que tu es une grande vieille chouette qui sait ce que tu veux. Petit, au lieu de courir dans le foie, tes précédents-là ont couru comme ça n'a rien donné. Si tu es un homme, va chercher une blanche, tu l'épouses. Va draguer une blanche. Les hommes comme ça, tu es incapable de draguer. Tu t'assois, tu cours, tu penses que c'est en courant. Tu cours quand tu te casses la jambe, c'est les papiers que tu cherches. Tu crois que moi, je vais te fabriquer parce que vous cherchez la Stamania. Vous êtes beaucoup là, vous cherchez à vous faire connaître. Vous cherchez à vous faire voir. Oui, vous cherchez la Stamania. L'affaire de Martinez Ogo, paix à son âme, n'est pas une affaire de chercher la Stamania. C'est une affaire de s'indigner. Ce n'est pas une affaire de prendre un camp. De prendre tel camp ou tel camp. Non. S'indigner ne veut pas dire que tu as choisi tel camp ou tel camp. Parce que les gens sont souvent bêtes. Les gens ne comprennent pas. Dès que tu t'indignes, on commence à dire que oui. Hein? Donc tu t'es indigné. Je me suis indigné et j'assume. Mes chers frères et sœurs, certaines personnes qui passent leur temps à m'envoyer des messages sur mon téléphone. J'ai répondu à l'autre aujourd'hui. J'ai dit, dimanche, je dors. Tu me réveilles la grâce matinée, mon frère. Tu me réveilles. Franchement, moi, je ne comprends pas certaines personnes qui réveillent les gens le dimanche. Tu me réveilles le dimanche matin pour me conseiller. Maman, tu ne dors pas avec ton mari. Ou bien si tu es un homme, tu n'as pas une femme pour faire la grâce matinée. Tu me réveilles par rapport à quoi? Pour me donner les conseils. Tu es qui pour me donner les conseils? Vous me donnez les conseils, libre à moi d'accepter vos conseils ou pas. Je suis une grande femme. Je suis une grande fille. Je ne suis pas un bébé. Que quelqu'un va se lever pour commencer à dire que oui, monte de ça. Et je voulais dire ce soir, Amen Kamer, je veux réitérer ce que ma copine a dit. Amen Kamer, c'est mon ami. Et je l'assume comme ami. Mais ce qu'il fait sur son mur Facebook, sur sa page, ça le regarde. Je ne suis pas ni sa femme, ni sa sœur, pour lui dire ce qu'il a fait de son mur Facebook. Il est libre de prendre sa caméra, de poser, de dire ce qu'il veut et d'encaisser les conséquences. Vous pensez que je vais le renier parce que, oh,
Oh, c'est un tribaliste, c'est monté, c'est... Si il est tribaliste, c'est son problème. Ça le regarde. C'est son problème là-bas. Qui ignore comment il est. Qui ignore sa façon de penser. Les gens connaissent sa façon de penser. Ceux qui l'ont suivi avant et aujourd'hui. Donc, arrêtez de dire que, oui, Ahmed Kamel s'est monté, s'est descendu. C'est un père de famille. Il prend son portable, il fait son blog comme bon le semble. Je n'ai rien à lui dire. Je n'ai pas de conseils à lui donner. Ni des suggestions. Je n'ai pas à l'appeler pour dire que pourquoi tu es. Puisqu'il ne me dit pas comme ça, je suis libre de faire de mon mus ce que je veux. Il est libre de faire de son Facebook ce qu'il veut. Regardez le nom de mon mur, regardez le nom de son mur. Compresseur est libre, maman. Madame Chaput est libre de faire ce qu'elle veut. Pourquoi ce qu'il fait? C'est moi que ça doit rattraper. Je ne suis pas son épouse, voyons. Et même, si j'étais même son épouse. Donc, ce qu'il fait, ça va tomber sur moi. Ça ne va pas, non? Vous êtes sérieux, là? Donc, arrêtez vos patates et vos plantes. Si vous n'avez rien à dire, vous la bouclez. Voilà. Vous n'avez rien à dire, vous la bouclez à vie. C'est tout. C'est quoi? Une autre vient me voir, oh, c'est monté, c'est descendu. Quand vous gérez vos choses avec lui, je suis là. Collez-moi la paix. C'est ce que je voulais dire à certaines personnes qui veulent m'associer à ce qu'il fait. Non, ne m'associez pas. Je suis Flore de Lille. Il est Ahmed Kamel Choukré. Et les gens pensent, je vais vous dire aussi une chose, c'est pas parce que les gens font les directs sur Ahmed Kamel qu'eux venus faire le direct pour dire que je défends Ahmed Kamel. Je suis libre de faire comme si j'ai vu, je suis libre de ne pas venir commencer à prendre son passé. C'est un grand garçon. Je m'adresse comme ça aux personnes qui me traitent d'ingrate parce que oh, il t'avait défendu quand tu cherchais ton argent, quand tu réclamais ton argent. Aujourd'hui, les gens commentent, on l'insulte, tu ne dis rien. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Vous avez le téléphone, non? Vous avez les caméras sur ça, non? Ou c'est le Choronko? Même le Choronko a la petite caméra. Prenez-vous, mettez-vous, le défendez avec c'est quoi? Hein? C'est mon ami. C'est ma personne. Et s'il fallait même que j'écarte pour lui donner, mais c'est un homme. Je suis une femme libre, je suis une femme célibataire. Célibatos. S'il fallait que j'écarte pour lui donner, j'écarte et je donne correctement et bien. Mais le moment n'est pas encore arrivé d'écarter et lui donner. Je n'ai pas de permission à demander à qui que ce soit si j'ai envie de gnasse avec lui. Hein? Si je vais gnasse que l'envie me prend, je pars, je gnasse avec lui, j'ai les comptes à rendre à quelqu'un. Ben non, c'est Choukré. C'est de ça qu'il s'agit. Je m'adresse directement à cette vieille sapate, à cette vieille chienne, à cette femme que j'ai barrée. Borosangui. Une vieille perdue. Une femme qui a fait la... Elle vendait le piment devant l'hôtel des députés à Yaoundé. Quand tu vois une petite fille comme moi, tu me vois. J'étais lâchée comme une vieille chaussette. Va chercher une autre, tu la fabriques. Depuis que j'ai dit que je ne viens plus au Canada dans les soins, depuis que j'étais lâchée, tu pleures ce que tu... profiter derrière moi. Tu n'étais qu'une sale profiteuse. C'est pour ça que tu as mal. Mais ramasse une autre blogueuse, tu fabriques. Ramasse une autre. On demande le visa pour aller au Canada, non? Il ne faut pas forcément pas avoir la nationalité française pour aller au Canada. Il ne faut pas forcément avoir le téléphone, le papier européen. Ramasse une autre, tu fabriques. C'est le challenge que je te donne. Tu as fait quoi? Ça a marché. Une vieille femme qui chausse sa pointure 50. Je t'ai lâché, tu m'as dragué, j'ai refusé. Une vieille bordel comme ça, quand tu me regardes. Bon sang, une vieille bordel comme toi, quand tu me regardes, vos petits réunions du village que vous faites dans le noir là, venez même sans vos réunions du village que vous faites là. On va se clasher ici sur Facebook. Bon sang, une vieille chèvre comme toi, quand tu me regardes, tu te regardes, tu me vois. Bon sang, la fraîcheur, je suis plus fraîche que toi. Je suis plus jeune que toi. Si tu veux, on entre dans la chambre, que on ramasse les hommes, on les aligne là, que entrer dans la chambre, gnasse les femmes-ci. Même mon petit trou est plus serré que ta part. On met les hommes dans la chambre. On nous demande que concours de la gnasse, mon petit trou de pistache est plus serré que ta part. Tu n'es qu'une vieille sapate, que ton gros trou est ouvert comme l'autoroute. Mais ce n'est pas possible, voyons. Regarde-moi une sale bordel comme ça. Même la borderie l'a dépassé, mes chers frères et sœurs.
Mais elle s'accroche sur moi depuis des années. Bon sang, Guy, tu n'es qu'une perdue. C'est moi qui te donne la visibilité. Sans moi, tu n'es rien. Toyom, sans moi, tu n'es rien. Je suis ton vrai mari. Mais je refuse de te la mettre profond. Tu as entendu? Parce que tu es tellement sale, tu ne me donnes pas envie. Sinon, j'aurais enfilé un gos de Michel. Et je t'aurais démonté comme une vieille chienne. Regarde-moi cette vieille bordel-là. Quand tu me regardes, pour Sangui, quand tu me regardes, tu te regardes, il y a match. Tu te lèves que tu viens me combattre à Paris. Tu es parti draguer ça. Même l'homme, j'ai dit que, hey, Seigneur Jésus, on parle comme ça. Même avec mon vieux, on me niaise plus que toi. On entre dans la chambre, on essaie. Une vieille bordel qui est seule. Tu n'as pas de mari. Ça te fait mal parce que tu as commencé à me clasher. Ton mari est parti. Si tu es une femme, fais le direct dans la chambre. Un matin. C'est la Saint-Valentin cette semaine. Tu ne fais pas Saint-Valentin avec ton mari. Tu n'as pas de mari. Tu vas pleurer fatigué. Ton mari est parti. Il m'avait dragué. J'ai donné en levrette à ton gars, mari. Je l'ai donné en levrette. Vieille bordel des chemins, des temps de Oumniobé. Une vieille bordel des temps de Oumniobé. Ernest Wanji, elle a fait la bordelerie. Oumniobé, elle a fait la bordelerie. Altang Daïjo, elle a fait la bordelerie. Ya, Bossang, la bordelerie t'a dépassé à l'hôtel des députés. Mes chers frères et sœurs, cette vieille bordel, elle a fui avec l'argent des réunions. Elle fait partie des gens qui fuient l'argent des tontines. Elle avait bouffé la tontine au Cameroun. Elle est tombée dans les Sissongo avec la Pambim. Elle a Pambim avec l'argent de la réunion du Cameroun. Elle a fui en Beng. Elle est arrivée, elle est passée par Marseille. Elle a fait la bordelerie au vieux pont de Marseille. Et pendant sa bordelerie, elle est tombée enceinte. Elle n'a jamais connu le père de son enfant. Mes chers frères et sœurs, le père de mon fils est Bassa de Ndom. Le père de son enfant est doux. Elle-même m'avait dit, cette vieille bordel, elle m'avait dit un jour, quand tu vois une vieille chienne de 60 ans, elle me dit, je ne connais pas le père de ma fille. J'ai eu, maman, j'étais dépassée. Dit que, c'est quelle vieille mère qui dit qu'elle ne connaît pas le père de son enfant. Elle dit qu'elle m'a dit clair et net qu'elle ne connaît pas le père de son enfant. Dans la bordelerie, elle a écarté, elle a écarté, elle a écarté finalement. Elle ne connaît pas le père de son enfant, une vieille menteuse. Le père de son enfant, son ami qui l'a accueilli en France. Mes chers frères et sœurs, un jour, je vais à Marseille. Je suis dans mes histoires de boire le vin. Comme j'ai arrêté aujourd'hui de boire. Le père de son enfant est de Marseille. Elle habitait chez sa copine. Elle est tombée enceinte du mari de sa copine. Elle est tombée dans ce son. Elle a fui au Canada. Voilà la vie d'une femme qui vient s'asseoir. Et elle veut donner l'exemple à la nation. Mes chers frères et sœurs, quand vous regardez le parcours de sa vie, elle est exemple en quoi? Hein? Quand vous regardez le parcours de sa vie, elle est exemplaire de quoi? Bordelerie des temps d'Aïdjou, bordelerie des temps de Oumniobé, bordelerie des temps de Paul Biya même. 4 générations de bordelerie, cette femme, elle n'a pas pu changer leur maison à Madagascar. Paix à l'âme de sa mère est morte dans les vieux carabots. Une chambre salon, les vieux carabots de Madagascar. Quand elle arrive au Cameroun, elle dort où? Elle commande les meublés des femmes pour dormir là-bas. Elle commande les meublés des femmes. Mes chers frères et sœurs, cette femme me voit en quoi? Elle veut fermer ma gueule. Elle ramasse tous mes détracteurs depuis des années. Elle me combat, ça fait 5 ans, je l'ai lâchée. Non, elle m'a exploité, mes chers frères et sœurs. Je ne peux pas m'aller porter plainte pour travail esclavagiste. Maman, j'ai travaillé pour elle. Elle a gagné de l'argent devant. Quand je l'ai lâchée, elle est devenue folle. Elle a pété les plombs jusqu'à aujourd'hui. C'est une femme ça. C'est une femme ça. Mes chers frères et sœurs, pour montrer qu'elle est arrivée en Europe. Pas maintenant. Pour montrer qu'elle elle est arrivée en Belgique. Elle est arrivée, elle est partie ramasser un vendeur de friperie. Pardon, je vous rappelle. Elle est partie ramasser un vendeur de habits. Elle a engrimba l'enfant de Truy. Il est arrivé. Il est resté au Canada chez elle, travaillait pour elle jusqu'à un moment donné. Il est tombé dans les Sizongo. 3 enfants avec une Guinée. Si tu es une femme, va enlever ton mari dans les mains des Guinéennes. On voit. Fais l'amour, t'a dépassé. Ton mari t'a fait parce que, maman, le trou du cul de ça. Ta paix est ouverte, maman. Si on te met, on me met. Même le petit doigt, si ça n'entre pas dans mes fesses. Tellement mes fesses sont serrées. Si tu es une femme, prends le thermomètre, tu mets dans tes fesses. Chacun met le doigt. On voit où le trou arrive.
Tu me jalouses parce que ton trou est plus large que ma part. Ouais. Oui, allô? Oui? Oui, c'est moi, ma chérie. Bonsoir, chérie. Ah, c'est toi qu'on a voulu violer. Je t'appelle tout à l'heure. Ok, merci. Ok. Le direct va commencer. Je parle d'abord ma part. Est-ce que je suis pressée? Ici, là, on n'est pas pressé. Sur la PDG TV, non. On ne se presse pas. On ne se presse pas sur la télé, si là. Ça, c'est quelqu'un qui va témoigner tout à l'heure que Christian est venu voler. Usa. Donc, mes chers frères et sœurs, cette vieille bordel de Borosangui, tout ce qu'elle voit qui peut me nuire, elle s'assoit, elle fait le direct, elle invite les Camerounais à me détester. Mais elle a tapé poteau. Elle a tapé poteau tout simplement parce que nous sommes sur les réseaux. On sait très bien que ils ont un clan du village. Ouais, elle n'appelait pas encore. Oh. Ouais. Attendez, je mets d'abord au silencieux là. Mes chers frères et sœurs, ils ont un clan là qu'on appelle, on appelle le clan des gens du village. Ce sont les gens qui cherchent à m'ennuyer depuis des années, ça ne marche pas. Parce que je suis l'enfant béni de Dieu. Oui, je suis l'enfant béni de Dieu. Ces femmes-là cherchent à m'ennuyer. Mais ce soir, je m'adresse directement à, d'abord à Borosangui. Borosangui, j'ai les seins debout. Tu as les seins à placard tombé. Tu as les seins à placard. Tu as les bobliques plates. Tu es une ténébreuse. Borosangui, tu ne m'atteindras jamais. Aller et retour, je te dépasse. Tu vis dans les carabots au Canada. Une femme tellement malhonnête, mes chers frères et sœurs, tellement malhonnête qu'elle a inventé pour arnaque à l'assurance. Tellement qui peut aller confier un dossier à toi? Rien du tout. Tellement malhonnête, elle a organisé l'arnaque à l'assurance au Canada. On en est où? Elle a brûlé sa maison avec les œufs. Qu'elle était en train de faire frire les œufs. Brûler la maison pour chercher l'assurance. Mes chers frères et sœurs, elle vit dans un côté de la maison. Quand tu la vois, elle fait le direct un côté comme ça. Parce qu'elle a brûlé sa maison pour chercher à escroquer l'assurance. Le blanc est sage. Ça n'a pas donné. Mes chers frères et sœurs, un jour, sa caméra a tourné. C'est où on a vu qu'elle vivait que dans la saleté. Une sale femme. Une sale femme comme ça. Prends ça, tu mets sur ton mur et lent. Tu as entendu? Le montant de faire les clashs avec vous, ce n'est pas encore arrivé. Tu comprends? Regarde-moi une saleté comme ça, mon frère. Tu vas ramasser un homme. Tu es incapable. Ton mari est parti. Et ça te fait mal. Oui. Et j'ai bien pompé ton homme. Je dis que, va l'appeler. Dis-lui qu'il porte. J'ai bien pompé ton mari. J'ai pris avec deux mains comme ça. J'ai pompé. Floc, 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 floc. J'ai pompé ton mari. J'ai tapé. J'ai bavé dessus. Sale chienne. Tu peux faire l'amour? Mais c'est pas possible. C'est la Saint-Valentin, les vraies femmes mariées. Elles sont, excusez-moi, quel homme marié va accepter de voir sa femme se pavaner sur Facebook? Hein? Mais une femme qui dit qu'elle fait le taxi, maman, elle fait le taxi, elle fait Facebook. Elle a déjà attrapé tous les boulots, mais rien ne reste. Mes chers frères, elle a même été serveuse dans un restaurant. Les clients fuyaient ses manches Diallo. Elle était serveuse. Une vieille bordel comme ça, c'est une vieille chouette. Pendant qu'on prend les jeunes étudiantes serveuses, cette vieille sapin est partie faire le grimba pour qu'on la recrute comme serveuse dans le restaurant. Ça n'a pas marché. Mais chef, elle a préparé le tarot les dimanches pour vendre. Ça n'a pas marché. Elle a déjà fait les travaux comme ça. Les travaux comme ça au Canada. Elle brûlait même le poisson, le tilapia au parc au Canada. Même l'autre là, ça n'a pas marché. C'est une femme qui n'a jamais acheté une bouteille de whisky au Canada. Elle boit que les demi-verres. Borosangui, montre-nous où tu filmes, où tu bois, on voit. Montre-nous une vidéo où tu te lèves le matin. On ne peut pas voir. Tu t'assois, tu ne peux même pas retenir l'audience. Vous pensez que pour retenir l'audience sur les réseaux sociaux, il faut forcément montrer qu'on déteste une personne, qu'on a envie de voir la chute d'une personne. Tu es Dieu. Un vieux bordel des temps de Oumiyombe. Tu es Dieu. Vieux bordel des temps de Ernest Wanji. Je t'ai lancé un défi. Mets le petit doigt dans tes fesses. On montre, on voit où ça va arriver. Parce que mes fesses sont plus serrées que tes fesses. Je suis plus bonne que toi. On met les hommes dans la chambre. On dit que les deux-ci, mettez-vous.
Chaque homme entre Ikombo, on demande que les fesses de qui sont plus sucrées. Mes fesses seront plus sucrées que ta part. Tu as compris? Mes fesses seront les fesses plus sucrées que ta part. Et comme ça part comme ça, dis donc. Mais qu'elle me fiche la paix, mais voyons. Elle prend mes vidéos, c'est elle qui met mes vidéos pour se faire de l'argent. Elle produit l'argent derrière moi. Elle doit me respecter. Elle doit me respecter, la patronne des abeilles que je suis. Elle doit me respecter. Vous pensez que parce que je suis silencieuse, ça veut dire que je suis finie? Non. Cette année, c'est une année que j'ai choisi de ne pas trop faire les directs. Hein? C'est pas possible ça. Mais tu gagnes de l'argent derrière mon... Tu gagnes l'argent sur moi. Mais respecte au moins ça. Tu vas t'asseoir les conversations du village, les choses du village. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous vous réunissez même sans. Vous n'allez jamais. Je vous ai dit, vous là, vous passez le temps à méditer dans le noir. Mais sortez dans la vie réelle, vous vous attaquez à moi, on voit. Pourquoi que je suis quelque part, vous fuyez? Parce que je vous fais peur. Bon sang dit, je parle sans boire l'alcool. Je n'ai pas besoin. Je ne suis pas une soulade. Mes chers frères et sœurs, bonsoir encore une fois de plus. Je n'arrête pas de parler d'elle. Je ne sais pas pourquoi je vais arrêter de parler d'elle. Dites à ces vieilles bordels que si ses fesses, parce qu'une femme qui est haineuse comme ça, c'est une femme qui n'arrive pas à prendre son plaisir. Vous avez compris? C'est une femme qui est fusée, une femme frigide. Moi, je mouille. Je me masturbe et je prends mon pied. Elle n'a qu'à prendre, mes chers frères et sœurs. Il y a des sites où tu peux apprendre à te masturber, Bozangi, écarte tes jambes, tu penses mal à quelqu'un qui t'avait combo, tu joues, tu dors. Quand tu prends du pied, quand tu prends ton pied, tu dors bien. Quand tu prends ton pied, tu dors bien, tu passes une bonne nuit. Mais Bozangi va te masturber, il y a les concombres. Prends même le concombre, tu mouilles ça, tu mets le préservatif, tu mets dans tes fesses, c'est quoi? C'est quelle fixation? Hein? C'est quel genre de fixation que tu envers moi comme ça? Tu es fixation, tu es amoureuse de moi, mais putain, mais tu n'es pas mon genre. Même dans la partouze, tu ne peux pas avec moi. Tu ne m'excites pas, je ne peux pas te toucher. Une vieille bordel comme toi, même dans la touche pas, je ne peux pas te toucher. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est que j'aimerais enfiler un gros de ceinture et te démonter comme une chienne, parce que tu n'es qu'une chienne. Prends ça, tu vois où tu veux. Les conneries que vous dites que oui, hein, il faut respecter tes auditeurs. Pourquoi tu parles comme ça? Mes auditeurs qui me suivent depuis savent que je m'assois, je dis ce que je veux. C'est de ça qu'il s'agit. Hein, mes cœurs? Voyez-vous? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, mes chéris d'amour, il faut partager direct parce que, vous savez, il n'y a pas le deux de la reine mère. Pour partager le... Pour avoir la visibilité, je n'ai pas besoin de montrer que je déteste tel ou tel compatriote, non. C'est parce que ça en est de trop. Une bande de sauteurs de métro, un sauteur de métro se met à parler de moi, et Borosang, il se réjouit parce que ce sont les gens du village. Mais la diaspora ne laissera pas faire. Mes chers et sœurs, regardez la manipulation de cette vieille chouette de Borosang. Une femme qui a raté sa vie dans toutes les positions. Vous dites qu'elle parle le gros français. On mange ça. Hein? Je dis qu'elle parle le gros français. On mange ça, hein, mes chers frères et sœurs. Elle est dans quel bureau avec ses grosses études qu'elle a fait? Elle travaille où? Elle fait le taxi au noir. Elle fait Citigo. Ça, ce sont les sans-papiers. Ça, c'est le travail des gens. Ça dit qu'ils travaillent seulement pour combler la fin du mois. Quelqu'un qui, quand on dit que tu as, mais qu'elle aille payer un permis de taxi, elle fait le vrai taxi au Canada, elle paye les impôts, on voit. Vous parlez qu'elle a fait l'école. L'école de quoi? On peut faire l'école, venir s'asseoir derrière les réseaux sociaux et se ridiculiser comme ça. Une femme qui est arrivée au Cameroun, elle est arrivée payée. La vaccination, la test COVID, elle a fait le faux à 2000. Il faut la voir à l'aéroport. Hey, je suis une star, je suis une star. Elle crie, je vais dire au ministre, maman qui l'a gérée, qui la connaît au Cameroun, elle est connue par qui? Hein? Vous parlez de ce vieux bordel qui a confisqué l'enfant d'autrui. L'enfant est libre. On l'a vu au Cameroun qu'elle est partie. Elle a dit qu'elle était au deuil de sa belle-mère. Qu'elle poste sa maison du deuil. Sa belle-mère vivait ici à Paris. Elle venait, elle rôdait chez les gens.
ici à Paris. Elle ne passait pas voir sa belle-mère, la mère de son mari. Demandez-lui qu'elle nous poste sa maison du deuil. Une femme ridicule comme ça. Maman, si c'est un homme épouser à Kate là, on vous a dit que c'est un homme, moi je vais aller me épouser une femme qui traîne sur Facebook. Pour faire quoi avec? Quand j'aurai un conteneur de gars dans ma vie, vous n'avez plus me voir sur les conneries là. Vous pensez quel homme, quelle famille peut accepter voir ça? Nous sommes les sacrifiés. Tout le monde sait que Facebook c'est mon bureau. Hmm? Mais c'est pas possible ça. Quelqu'un me dit tu peux porter plainte à cette femme. Je ne porte pas plainte, ça reste comme ça. Quel travail, on est là, ici. Je suis Sakimka. Je suis une femme qui a fait produit. Je suis allée au Canada pendant 4 ans. Seulement parce que je lui ai dit que le Canada est loin. Prends une autre star. Elle a refusé. Si maman, c'est la sorcellerie. J'ai signé le pacte avec elle. Elle m'oblige à venir au Canada tous les ans. Pourquoi? Elle a demandé comment ma Stamania va finir ses montées. Elle dit que c'est elle qui m'a fabriqué. Qu'elle ramasse une autre blogueuse, elle fabrique. On voit, il y a beaucoup, non? Elle a fabriqué qui on a vu. Elle vivait de la sueur du front de mes abeilles. Ce sont mes abeilles qui la nourrissaient. Quand les abeilles ont dit qu'on ne cotise pas pour toi, elle est tombée syncope. Elle est tombée syncope à vie. Parce que les abeilles ont dit que nous, on donne qu'à Mafo. C'est tout. Parce que quand vous finissez de manger derrière moi, peut-être vous dites que vous n'avez rien mangé. Mais Dieu vous voit. N'importe quoi. Regardez-moi les gens là. Vous pensez cette bande-là, j'ai peur des clashs avec eux. Non, mais c'est, sincèrement, vous pensez vraiment que j'ai peur des clashs avec la bande là? Ben non, je suis prête aujourd'hui, demain et après-demain. Même avec les mains, je suis forte. Je dis que même avec les mains, je me cache pas, je suis forte, je suis une chercheuse de problèmes. Je suis roubaisienne. Oui, je suis roubaisienne. Donc même avec les mains, je suis forte. Les vieilles sapards là sont sorties la dernière fois pour dire comment je vais parler aux deux. Je vais parler aux deux quels sont les. Qui représentent quoi dans la diaspora? Elles ne représentent rien du tout. Mes chers frères et sœurs, on va commencer. On a dit, on a parlé de la liste. La liste des gens qui ont cotisé dans la liste des personnes qui ont cotisé à Paris lors du deuil de la doyenne. Paix à son âme. Mes chers frères et sœurs, on revient là-dessus. Je n'étais pas là-bas dans le comité d'organisation assise pour voir comment on liste. J'ai reçu anonyme dans mon téléphone et j'ai vu le nom de gros nez et ses 50 maigres euros. C'est pour ça qu'elle est postée. J'assume. Oui. Quand j'ai vu le nom de gros nez, non. Je n'ai même pas réfléchi que caché. J'ai posté, après j'ai enlevé. Borosang, il prend ça. Elle veut faire genre, elle veut faire qu'on me déteste. Tu es malade. Mouf, ma chiorail. Donc, pour vous, j'étais là-bas. Quand on prenait la liste, on écrivait. J'étais assise là. Hein, les gens. J'ai reçu, non? Anonyme. J'ai vu le nom de Gronet. Gronet qui dit que béret bleu Gronet. Une femme, elle servait les arachis. C'était son rôle. Elle a servi sa patronne. J'étais assise et elle a servi sa patronne. C'est de ça qu'il s'agit. Quand j'ai vu le nom de Gronet, Gronet 50 euros, ouh, j'ai seulement balancé, c'est tout. Après, j'ai supprimé. Bon sang, il prend ça avec mon nom. Elle met sur Facebook. Ça dit que pour tourner le cerveau des personnes qui ne réfléchissent pas. Ça dit qu'une façon pour que les gens me détestent. Jusqu'à elle, ça dit qu'une femme qui active les gens de me détester. Mes chers frères et sœurs, on peut être con, on peut être bête comme ça. Ça dit que c'est elle qui poste. Mais elle fait quoi que j'ai posté? Est-ce qu'il y a ça sur mon mur? J'ai mis ça 5 minutes, j'ai retiré. Mais elle a posté parce qu'elle voulait poster le nom des gens. On est d'accord? J'assume. Gronet avait dit qu'elle est milliardaire. Mais elle a coûté 50 euros. Mes chers frères et sœurs, quelle honte. Les gens disent que oui, chacun est libre. Il y a elle Gronet et une personne qui a donné 2 euros. Mes chers frères et sœurs, parlons peu, parlons vrai. C'est vrai que assister quelqu'un, c'est la présence. Oui. C'est la présence, c'est vrai. Mais c'est aussi le geste de ce que tu donnes par rapport à la relation que tu avais avec cette personne qui est décédée. Mes chers frères et sœurs, même si on dit que, même si c'est 1 euro, on donne. Est-ce que vous trouvez normal qu'une dame arrive dans un deuil comme le deuil de cette dame qui s'appelle la doyenne? Elle donne 2 euros. C'est une insulte, oui ou non, envers la défunte et ses enfants.
On ne peut pas dire le contraire. Oui, le geste est important. Mais quand tu vois quelqu'un qui vient mettre 2 euros pour une contribution, mes chers frères et sœurs, mieux elle ne donnait rien. Mieux elle ne donnait pas. Ce n'est pas normal. C'est une insulte. Tu viens cotiser 2 euros. Par rapport à quoi? 2 euros. Imagine, si toi, tu décèdes, une personne qui te connaît vient donner 2 euros. Comment tu vas te sentir? Mieux tu ne donnes pas. C'est une insulte. Peut-être les gens n'ont pas vu comme ça. Mais chaque personne a son analyse. Ces 2 euros, ce n'est pas une erreur de la personne qui a noté, je suis désolée. C'est le mépris envers la personne. Et ça ne se fait pas. Arrêtez un peu de dire que c'est le geste qui compte. Mieux tu ne donnes pas. Mieux tu ne donnes pas. Comment tu peux venir un deuil? On dit que cotisation, tu te lèves, tu donnes 2 euros. Mes chers frères et sœurs, étant en Europe, ça, c'est bien 2 euros que cette personne a donné. Mieux tu gardais tes maigres 2 euros. Et si je te connaissais, te rembourser ton argent. J'ai vu le nom, mais je saurais qui tu es. Oui. Groné, qui a dit qu'elle est la fille préférée. Regardez un peu comment les gens insultent les gens. Groné donne 50 euros en tant que milliardaire. Mais attends. C'est tout simplement dégueulasse. Et c'est elle qui se vante. Je pensais qu'elle avait de même 1500. J'espère que tu vas aller au deuil, Groné. Groné, il faut prendre ton billet parce que maintenant, là, c'est l'heure des billets d'avion pour partir au billet d'avion. Et j'ai un truc à dire à la diaspora. Une question à poser. Dans la salle, il y avait plus de... Il y avait près de 5000 personnes. C'est vrai que l'organisation était nulle. Parce que normalement, dans un deuil, on se lève, on fait le tour dans la salle avec le cahier. Vous ne pouvez pas être qu'il y a deuil. Et puis on me dit qu'il y a eu comité d'organisation. Vous avez organisé tout ou quoi? Vous avez organisé tout ou quoi? On se lève, on se balave avec le cahier. C'était le rôle des bérets bleus, là où c'est bérets bleus. Elles viennent dans la réunion, elles sont venues au deuil, elles ont mis la nourriture dans les plastiques pour leur gars. Pour avoir le vin rouge que j'ai bu, mes chers frères et sœurs, j'ai souffert. Pour avoir une bouteille de vin rouge même que j'ai bu avec une personne. Le vin rouge que ce Ozo de Kuala Lumpur, le 59, que je salue. Le Kuala Lumpur, le luxembourgeois, il a donné 10 cartons du vin rouge, le Bordeaux. 50 bouteilles de Bordeaux. Son nom doit être dans la liste. Mes chers frères et sœurs, je fais un big up à Ozo de Kuala Lumpur qu'au Luxembourg. Il a donné 50 bouteilles de vin rouge. Son nom n'est pas dans la liste, pourquoi? Il m'a dit qu'il n'a pas vu son nom. Son nom doit être dans la liste. Parce que si on convertit en argent, ça fait beaucoup. Tout le Bordeaux que vous avez bu le jour du deuil, c'était le vin de Ozo de Kuala Lumpur, le luxembourgeois. C'est lui qui a donné ce vin. 50 bouteilles. Son nom doit être marqué. Il y a une autre femme qui m'a dit que oui, elle a donné les beignets. Mais on n'écrit pas les gens qui ont donné les beignets et les gens qui ont donné... Non, arrête aussi, toi aussi. Tu me dis que tu as préparé pour aller. Est-ce qu'on écrit ça dans la liste? Toi aussi, c'est bien. Donc, je voulais juste vous dire que Ozo de Kuala Lumpur a donné 50 bouteilles de vin. Nous, on n'est pas pressé. Pour les gens des États-Unis, vous savez que c'est la journée aux États-Unis. Donc, moi, je perds le temps pour que les gens viennent. Je perds seulement le temps comme ça. On tape le divin. Et puis, on va faire le direct. On va faire le direct. Ne vous inquiétez pas. Je suis là jusqu'au matin. Les gens du Cameroun, ne vous inquiétez pas. Si on a coupé la lumière, mettez les lampes. Ici, là, aux États-Unis, il est peut-être 17h. On attend aussi qu'ils rentrent chez eux parce qu'ils sont en route. Donc, Ozo de Kuala Lumpur a donné 50 bouteilles de vin. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais comprendre ce système dans la diaspora.
Un deuil qui a donné 21 000 euros. 21 000 euros qu'on a cotisé. 21 000 euros. Mes chers frères et sœurs, dans les 21 000 euros, la famille a eu 7 000 euros qu'on a remis à la famille. Le reste, ils ont encore tout mangé, ça à Paris, c'est normal. Que les gens me disent. Non, dites-moi, mes chers frères et sœurs, quand tu as deuil, qu'on cotise, le vrai deuil se fait où? N'est-ce pas, c'est au Cameroun? N'est-ce pas, c'est en Afrique qu'on fait le deuil? Dites-moi comment, arrêtons un peu. À Paris, vous avez l'habitude de boire le vin, vous avez l'habitude de manger. À la salle encore, je peux accepter qu'on a payé la salle. Mais comment se fait-il que vous pouvez cotiser 21 000 euros? Vous mangez encore, tout vous donnez 7 000 euros à la famille, vous allez faire quoi? Les gens partent, alors faire quoi là-bas? Mais arrêtez un peu, je vois la liste des actes et vous dites qu'on ne doit pas parler de ça. Je parle de ça et j'assume. Et puis, les gens ont même d'abord mangé quoi? On me parle de l'orchestre qui a coûté. L'orchestre, il y avait quoi? Il n'y avait pas la place de l'orchestre là-bas. Je suis désolé, le vrai deuil, c'est au Cameroun. Le vrai deuil, c'est en Afrique. Mes chers frères et sœurs, arrêtons un peu ici en Europe que quand tu as deuil, les gens cotisent et ces mêmes gens mangent encore tout. Comment se fait-il que tu peux avoir deuil? Tu as perdu un parent. On prend la salle pour que les gens viennent s'asseoir, pour se lamenter. L'église, oui, c'est normal. Mes chers frères et sœurs, les gens cotisent. Les Parisiens encore ont bu le vin. Il faut voir comment on a dispatché l'argent là. La nourriture, le taxi, 150 euros de carburant de si, tout ça là. Ils ont dépensé encore tout l'argent. Ils ont donné quoi à la famille? 7000 euros qu'ils ont donné à la famille, c'est quoi? C'est rien du tout, je suis désolée. Et puis on ne doit pas dire ça parce que si je parle, ça veut dire que je suis en train de détruire la diaspora. Non! Parce que mes chers frères et sœurs, le deuil, c'est en Afrique. En Afrique, on ne joue pas. Peut-être qu'il y a beaucoup qui n'ont pas été au pays, mais le deuil au pays, on loue les comment on appelle là? Le deuil au pays, c'est comme les mariages. Il y a la location, même le dress code. Les gens mangent le traiteur. Ce n'est pas des histoires qu'on tourne au quartier. Les gens mangent le traiteur. Donc, vraiment que les gens apprennent dans la diaspora à comprendre que quand on a deuil ici, ce n'est pas toi qui as deuil de dépenser encore à ce point. Ça sert alors à quoi d'organiser une veillée? Si tu vas encore aller louer la salle, acheter la boisson, dépenser encore tout ce que tu as. Et pour finir, beaucoup de gens ne cotisent pas. Mais c'est triste. Arrêtons un peu ce truc-là. Est-ce qu'il y avait besoin? Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. La liste, c'est même très bien comme on a mis ça. Parce qu'on a vu où l'argent est parti. C'est vraiment triste et dommage de votre part. Ces enfants-là, c'est après le deuil que les enfants-là vont vraiment sentir la perte de la famille proche. J'aurais aimé que cet argent, non, qu'on cotise comme ça. On fait une messe à Paris. Parce que beaucoup de gens sont arrivés, ils n'ont même pas bu. Les gens n'ont même pas bu. Les gens n'ont même pas mangé. Ils avaient faim. J'aurais aimé qu'on cotise comme ça. On donne à la fille de la doyenne que va faire le deuil au Cameroun. Parce que le deuil en Afrique, c'est l'argent. Le deuil, c'est beaucoup de dépenses. Vous ne l'avez pas honoré. Nous, le comité d'organisation, vous avez fait beaucoup de choses pour vous faire voir. 14 000 euros. Parti comme ça par rapport à quoi? Près de 10 millions avec ça. Près de 10 millions, ça lui faisait un bon deuil là-bas à Douala. On bloquait la route, les bâches en route. On donnait à manger à tout Dedo, à tout Aqua là-bas. Avec 10 millions, on lui faisait ça avec. Mais c'est pas possible. Nous ici à Paris, on a l'habitude de boire, on a l'habitude de manger. On a l'habitude de... Mais qu'est-ce que tu peux... On a l'habitude de boire la bière. Mais pourquoi avoir dépensé tout cet argent encore pour manger ici à Paris? Vous avez donc fait quoi? C'est quelle façon de comité d'organisation ça? Vous n'avez rien fait de bon? Je suis désolé. Vous n'avez rien fait de bon? 7000 euros là, ça, elle a trois enfants, ça n'achète que les billets d'avion. Ça paye que les billets d'avion des enfants. Et puis dans tout ça, les gens vont s'asseoir dans les restaurants et parler fort comment ils ont organisé le deuil de la douane. Vous avez organisé dans quoi? Vous avez trop organisé à Paris dans quoi? Pour se faire voir. Hein? Pour se faire voir. Même pas remercier les blogueuses. Nous aussi, on a fait un grand travail. C'est elle qui va me remercier là-bas où elle est couchée. Parce que je l'ai pleurée.
à ma manière. Je l'ai pleuré comme il se doit. Vous avez voulu me salir, aller raconter ci, aller raconter cela. Vous avez fait ça pour vous faire voir. C'est tout. Donc, je n'ai aucun regret d'avoir mis la liste parce que j'ai vu le nom de Groné. Voilà. J'ai dit que je ne regrette pas d'avoir mis ça parce que il y a des gens qui n'ont pas cotisé. Oui, parce que peut-être ils n'ont pas. Mais si on évalue le transport qu'ils ont payé pour être là. Il y a aussi les gens qui n'ont pas cotisé parce qu'on ne leur a pas donné l'opportunité de cotiser. Si on me mettait, je marchais dans la salle avec le cahier. Oui, je marchais, je réclamais même. Oui, on ne fait pas le deuil. Tu as deuil, c'est toi qui... C'est vous qui vous asseyez pour mousser et tout. Est-ce que dans le deuil, on mousse? On ne mousse pas. Donc, c'est ce que j'avais à dire. C'était la parenthèse que j'avais à dire par rapport à ça. Bon, Sangui, si tu veux, viens t'installer à Paris. Viens t'installer en France. Une vieille bordelle, elle a quitté le Canada pour venir me combattre à Paris. Ça n'a pas marché. Tu dis qu'on me salue à Paris. Les gens là qui me saluent, s'ils ne me saluent pas, je meurs. Je suis une fille unique. Hein? Je suis habituée à être seule. Je peux rester seule quand je veux. Hein? Je peux faire... Je peux rester seule quand je veux. Tu me dis que oui, à Paris, ces gens-là la saluent. On ne me salue pas que j'ai fait quoi à qui? On a compris, c'est vous qui me combattez. Point barre. Hein? N'importe quoi. Je croyais que certains allaient donner les millions. Moi, j'attends encore. Hein? Je croyais que certains allaient donner même les 10 000 euros. On écrit même les noms des personnes qui c'est leur devoir de faire. Devoir et obligation de faire. N'importe quoi. Maman, bon, on va commencer notre live parce qu'on a quand même atteint déjà 2000 personnes. Parce que c'est bien de faire le direct quand même quand il y a le nombre. Mes chers frères et sœurs, nous sommes là ce soir pour parler encore de l'histoire de Christian et Mercedes. Mercedes, c'est la jeune femme qui s'est fait abuser par un homme. Un homme a arraché ses papiers. Elle a épousé un homme par amour. L'homme l'a exploité et veut l'arracher sa maison. Il refuse même la pension alimentaire. Bonsoir, Dolé Miondo. C'est comment? Bonsoir, Mabik. Donc, du coup, Christian et Mercedes. Mes chers frères et sœurs, on vous dit qu'en Europe, il y a des histoires et des histoires. C'est le toit qui cache ce qui se passe dans les maisons. Nous, ici en Europe, on a le cœur, on a le courage. C'est pour ça qu'on dit que hein, beaucoup rentreront en Afrique avec leur cerveau en place. Beaucoup de personnes ici en Europe, nous les bénissons. On a trop de problèmes. Et c'est souvent les problèmes de cœur, l'abus de confiance, trahison, mensonge et tout ce qui va avec. Et quand les gens viennent parler sur les réseaux sociaux, moi, je prends mon temps pour écouter. Je prends mon temps pour faire ce live. C'est pour sensibiliser. Ce n'est pas pour dénigrer, ce n'est pas pour salir. C'est pour attirer l'attention de ceux, pour que certaines personnes ne tombent pas dans ce piège qui est l'amour. Les pièges des les prédateurs de papier. C'est pour sensibiliser. Ce n'est pas pour salir. Mes chers frères et sœurs, il y a des victimes et des victimes, des milliers de victimes dehors. Parler, c'est la guérison. Quand tu parles, tu écoutes pour quelqu'un d'autre, tu dis que ma part est bêta. C'est comme ça que ça se passe. Tout à l'heure, j'ai vu l'émission de 7 à 8. Une femme qui a dénoncé un prédateur. Un prédateur connu, 7 à 8. Le blanc dénonce. Même après 13 ans, tu peux venir porter plainte qu'on t'a violé. Pourquoi vous, les Africains, vous n'aimez pas dénoncer? Pourquoi vous n'aimez pas dénoncer? Vous avez le droit. Quelqu'un te force, tu as le droit de dire qu'il m'a forcé. Tu n'es pas obligé. Quand tu souffres dans le ménage que ça ne va pas, tu ne restes pas à cause de la famille. Tu te sépares. Moi, je ne comprends pas, nous, les Africains. On va grandir, on va changer quand? Est-ce que le blanc donne le lait, mes chers frères et sœurs? Vos frères qui vivent avec les femmes blanches là peuvent vous dire, nous, vos sœurs, nous on a vécu avec les blancs, on peut vous dire que ce n'est pas facile là-bas. Le blanc ne laisse pas. Pourquoi quand c'est vous, on vous déconseille, non, ne parle pas sur Facebook, ne parle pas sur Facebook, tu parles pour qui? Tu parles pour ta guérison. Tu expliques tes problèmes pour sauver tes sœurs.
parce que les autres peuvent tomber aussi dans le même piège que toi. Les gens, beaucoup d'Africains sont en Occident, mais ils sont toujours l'esprit en Afrique. En fait, ils sont en Occident tellement ils fréquentent que le milieu africain qu'ils ne savent pas comment ça se passe en Europe. Mes chers frères et sœurs, sortons souvent un peu du cadre d'Nganda, du cadre de l'Afrique là, et découvrons souvent le vrai Mbeng où on est. Parce que nous sommes en Europe, mais on ne connaît pas l'Europe. Combien sont déjà allés en vacances là? Combien là même sont déjà allés même dans le restaurant européen? Jamais. Tu ne peux pas laisser les coins, le macabo râpé. Tu laisses le pilet au Cameroun que tu as laissé. Tu reviens encore ici rechercher la même chose. Tu penses que le goût est différent. C'est toujours le même goût que tu as mangé en Afrique. Si tu ne sors pas te balader pour découvrir où tu es. Mais comment tu vas même savoir comment on vit? L'intégration, c'est quoi? L'intégration, c'est tout, mes chers frères et sœurs. Tu es dans un pays, tu ne connais pas la loi. Tu vis en Europe, mais tu ne connais pas la loi. Tu ne sais pas qu'en Europe, même une femme qu'on a épousée, quand elle n'a pas envie d'écarter, on n'oblige pas. C'est un viol. Oui. Quand ta femme te dit que je suis fatiguée aujourd'hui, si tu l'obliges, même si tu l'as épousée, tu l'as violée. C'est comme ça, c'est parce que nous sommes ici. Arrêtons de vivre ici et dire que non, en Afrique, ce n'était pas que... En Afrique, c'était que... En Afrique, l'Afrique, c'est l'Afrique. L'Occident, c'est l'Occident. Et chaque pays a sa... Chaque pays a sa loi. C'est comme ça que ça se passe. Fréquentons et essayons aussi de côtoyer les milieux des Européens pour connaître comment ça se passe. Mes chers frères et sœurs, ce soir, on a un témoignage qui est très poignant. Une personne qui va témoigner, qui est l'ami de Christian. On vous a raconté la semaine dernière. En gros, vous connaissez ce qui s'est passé. Cette dame, au nom de Mercedes, a rencontré son mari. Il était déjà un blessé de guerre, puisqu'il avait, épousé une femme qui n'avait pas donné les papiers. Là, il a menti à sa femme, qui est Mercedes. Elle lui a dit, chérie, pour l'amour que j'ai pour toi, je ne peux pas accepter qu'on te rapatrie. Je vais t'épouser, je vais te donner les papiers. C'est ce qui s'est passé, elle a honoré, elle a respecté sa parole. Elle a donné les papiers à ce gars. Elle a donné les papiers, elle a donné deux enfants. Mais ce gars la sabote, il raconte partout qu'il ne l'aime pas, il ne l'a jamais aimé. Il appelle celle-là. Même les pratiques mystiques sont passées dans l'histoire. Ouais, c'est pas possible, comment quelqu'un peut appeler comme ça? Ouais, allô? 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 Je ne sais pas quel vieux bordel m'appelle comme ça. Dis donc. Moi, je ne comprends pas. Donc, il y aura le témoignage parce que cette famille allait très, très loin. Oui? Oui, allô? Dis donc. Attends, je bloque d'abord même cette personne-ci. C'est quoi? Malchance. Dis donc. Pourquoi est-ce comme ça que ça se passe? Mes chers frères et sœurs, vous savez, l'histoire n'a pas été tout racontée la semaine dernière. La famille l'a fait fort. Ouais. Oui, allô? 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 Attendez, je vais bloquer. Hein. Je bloque d'abord parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle pour m'emmerder là. Je ne comprends pas. Non, en fait, je reprends parce que bon, on ne sait jamais. Je dirais qu'il y a le témoignage du père, le père de famille. C'est-à-dire que le père de Mercedes qui va passer aussi. Mais avant ça, on va d'abord prendre l'un des meilleurs amis de Christian. Il va raconter l'histoire. Je ne coupe pas le direct. On va continuer seulement comme ça. Il n'y a pas qu'il faut couper, machin, tout ça. Là. La personne qui va vouloir suivre son endroit... Va seulement avancer pour suivre. Donc, je vais appeler la personne qu'il faut. On va convoquer Dollar. Dollar, c'est Dollar. Après Dollar, NJ Dollar. Je ne sais pas si elle est prête. NJ Dollar. Je vais la prendre. Je l'appelle d'abord, si elle est disponible, je la prends. Si elle n'est pas disponible, je vais prendre quelqu'un d'autre. 8 dollars.
Oui, bonsoir ma grande. C'est comment? Ah, Siama. C'est comment? Je peux te mettre en direct. On va commencer par toi. D'accord, ok, je vais prendre quelqu'un d'autre. Dollar occupé. On va prendre la fille qui a été. Elle va raconter son histoire. Il y a une qui a été violée. Elle a eu les attouchements. Elle va raconter son histoire. Voilà. Donc, je l'appelle. Elle va raconter l'histoire qu'elle a eue avec le mari de Mercedes. Parce qu'il y a les prédateurs, il faut les dénoncer. Quand un prédateur fait comme ça, il peut même forcer même son propre enfant. On voit ça tous les jours. Oui, allô, ma grande. Oui, je peux te mettre en direct. Ok. Ok, ma puce, je t'ai mis en direct. On écoute ton histoire. Oui, c'est par rapport à l'histoire de Christian, là. Il y a même mon amie Cynthia qui a intervenu pour moi. Mais après, j'ai même écouté le direct là. Mais après, j'ai suivi comme quoi Christian est entré dans le déni. Non, il a commencé à dire, genre, c'est pas vrai. Il n'a jamais violé, essayé de me violer, quoi que ce soit. Après, j'ai dit, ok, donc moi, j'ai gardé le silence parce que j'ai dit, ah, ça fait des années, quoi. Je ne veux plus me mêler de ça. Bon, comme mini, moi, je vais donc venir donc raconter bien ce qui s'est passé le jour-là et montrer le genre de personne qu'il est, parce que c'est un violeur. C'est un violeur. Moi, j'étais même à l'époque, tu sais, quand tu viens d'arriver dans un pays, si c'était comme j'étais là, c'est que le gars est en prison pour ce qu'il avait fait. C'est parce que j'ai été naïve et bête, je venais aussi d'arriver dans un pays étranger. Je n'ai pas voulu me mélanger avec la police, tu vois un peu, non? Oui, on t'écoute. Oui. Oui. Donc, ça a commencé comment? Je vais couper court, vu que Cynthia a déjà presque raconté la même chose. Donc, je vais un peu couper court. Bref, j'ai rencontré Cynthia après, comme elle avait raconté, elle a dit non, parce que vont aller passer la Saint-Valentin. Comme elle était célibataire, j'étais célibataire. On a dit, maman, viens, tu le temps, allons ensemble. C'est comme ça que ça a commencé. Elle a dit non, j'ai mon ami Christian là et tout, et donc, pour faire une sortie, même une sortie. Le jour là, donc, Christian avait son ami Bassa là. On a fait une sortie, on est parti à. On a fait ça dans Baltimore. On est parti là-bas. On est parti même dans un strip club. On est parti dans un strip club. Je me dis que oh, peut-être dans le strip club là que son CD c'était tellement excité. Oh, comme les filles marchaient nues là-bas. Oh. Ou peut-être comme il a vu que okay, comme il était peut-être excité au strip club et il voulait venir finir sur moi. Moi je ne connais pas. Bref, on a fini de s'amuser au strip club. Il était vraiment gentil au début. Eh. Il était, même avant qu'on ne parle même dans l'endroit là, il était gentil, ça veut dire que je lui fais t'acheter le téléphone, quand le téléphone s'y dérange. Donc c'est après que j'ai compris que toute sa gentillesse, ça veut dire qu'il avait une idée derrière la tête, il voulait sûrement coucher avec moi. Donc il me montrait une fausse gentillesse quoi. Genre je vais te montrer, j'ai les petits boulots là que je peux te connecter, les trucs comme ça, j'ai dit ah waouh, ça c'est un gars trop gentil, je ne savais pas les idées qu'il avait derrière la tête. Bref, quand on a fini dans le club là, on avait deux voitures. Mon amie Cynthia, elle est partie avec son. Elle est rentrée, elle a pris monter la voiture de son ami. Parce qu'on était tous potes. Même si Cynthia était pote avec le gars, l'ami, le pote de Christian là. Personne ne sentait personne là. On était juste aussi un groupe de Camerounais qui s'amusait. C'est comme ça que moi. En faisant confiance à Christian, je dis ok, Christian c'est un gars gentil. En plus, si je peux me mettre avec un gars que je vais avoir, Cynthia c'est mon ami. C'est comme ça que je monte dans la voiture du gars. Je vois comment Cynthia et l'ami du gars, ils partent, ils prennent le côté de la maison, ils rentrent. Maintenant, je vois comment Christian, lui, il prend une autre route. Je lui demande qu'il est, on part où? Il me dit que non, je pars dans mon ancien appartement. Apparemment, c'est son ancien appartement là où il restait. Il dit que je pars dans mon ancien appartement, j'ai quelques petites affaires à récupérer. Je lui dis que, ah ok, moi aussi, naïvement, bêtement, je ne pouvais jamais m'imaginer qu'il pouvait avoir un truc comme ça à la tête, vu qu'il m'a amené à faire confiance, quoi. Tu vois un peu, non? C'est comme ça qu'on part là-bas. Je dis que monte, moi aussi, mais. La naïveté, mon Dieu, quand on te montre une fausse face, il me dit, monte, moi aussi, je dis, ok,
je montre aussi, on monte dans son appartement, mm-hmm. il commence à marcher aux alentours. Je me dis que l'appartement c'est vide. Il dit que oui, c'est là où je restais, je suis en train de... Il t'a dit que je déménage, non. Après, je dis donc, ah ok, je me place là. Il commence à marcher d'abord, il marche. Il dit que. Après maintenant, ça me donne qu'il vient, il commence à me toucher, il dit que c'est comment. Il me dit que ouais, c'est comment. Il y avait le matelas par terre ou bien c'était une chambre, dis-moi. Il n'y avait pas le matelas par terre. Maman, baby, why you are, désolé, pardon. Mon mari qui skippe à côté. Il n'y avait pas le matelas par terre. C'était une maison vide, c'était un appartement vide. Donc apparemment, c'est là où c'est un ancien appartement, quoi. Où c'est un appartement, c'est un bureau, mais c'était vide, même pas le matelas, c'était sur le sol. J'étais placée sur le salon. Après, il commence à me toucher, je dis que c'est comment que ça y a quoi. Il me dit que ouais, je dis que non, je ne veux pas, pardon. Hey, je dis que je ne veux pas moi les choses comme ça. Là. Donc, je m'amène ici pour ça. Il dit que non. Je n'aime pas ça, qui est toi aussi, tu es une belle fille. Alors, il commence à me parler. Après, le gars commence, il m'a brûlé, il m'a pris, il a commencé à me toucher avec la force. J'ai commencé à dire que Christian, laisse-moi. Il a commencé à me toucher avec la force. Après, il m'a poussé sur le sol. Hey. Il m'a poussé sur le sol. Oui. Il m'a poussé sur le... Je sais que j'ai dit que maman, peut-être qu'elle était déjà trop excitée. Non, comment on est passé dans le club de... Non, laisse d'abord, continue, raconte. J'ai des questions à te poser. Continue, oui, il t'a poussé au sol, oui. Oui, il m'a poussé au sol. Après, il a commencé à me toucher. Il m'a dit, laisse-moi. Il a levé mon slip. Il a déchiré ton caleçon. Il a levé mon slip. Il a commencé à me doigter avec la force. J'ai dit que je criais que laisse-moi. Il a commencé à me doigter avec la foi. Il m'a doigté avec la foi. Hey. Il a voulu que quand j'ai vu que le gars commençait, qu'il veut venir me pénétrer sans préservatif, je ne sais pas là où la force est sortie. J'ai commencé à crier. Donc je dis que maman, quand j'ai vu que j'étais dans ma tête, le film est passé que mais si le gars sait me pénétrer sans préservatif ici, je fais comment? Si la maladie, si les infections, je ne sais pas là où la force est sortie. La force est sortie. J'ai commencé à me débattre. Laisse-moi. Le gars voulait me pénétrer sans préservatif. Maman, il t'a doigté, tu as eu mal. Oui, mais comment on te donne dans la force? C'est bon. Donc, ça veut qu'il a les gros doigts. Maman, je ne connais pas ses doigts, ma mère. J'étais dans un autre monde parce que le viol est, maman, le viol, non, c'est un autre monde. C'est comme si quand on prend contrôle de toi, tu ne veux pas la chose. Tu vois un peu, non. Oui. Tu ne veux, j'étais dans un autre, c'est comme si j'étais en train, je criais. Oui. C'est quand j'ai vu que Christian venait me pénétrer, voulait me pénétrer sans côté. C'est là que j'ai, quand j'ai commencé à... Mais il fallait le mordre, non, maman. Tu lui mettais, tu mordais. Maman, je me battais, non. C'est quand j'ai commencé à crier sur moi, je me suis dit qu'il a paniqué que les voisins, non. C'est là qu'il a sauté, là qu'il a quitté sur moi. Wow. Donc c'est mon histoire là. Après j'ai commencé à pleurer. Ok. Après j'ai commencé. Ok. You heard this, right? Ok. J'ai commencé à pleurer. Il me dit que pardon, excusez-moi, désolé. Pardon, pardonne-moi. Parce que les voisins pouvaient sortir, que qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en Amérique. Mmh. Si j'avais su, comme étant encore naïve à l'école, j'avais moins d'un an dans le pays. Mmh. C'est là tu comprends, non? Oui. Si j'avais su, c'est que donc, j'avais le naïve. D'accord, donc en fait, il t'a pénétré avec ses doigts, c'est un viol. Pénétration, ce n'est pas forcément son bang. Il t'a violé. Non, moi je dis qu'il m'a pénétré, c'est un viol, parce qu'il m'a pénétré, il m'a déshabillé, il m'a doigté avec ses doigts. Ok, il t'a... Il m'a violé. Oui. Il t'a violé, maman. Est-ce que tu sais que tu peux encore aller porter plainte? Mais il y a un problème qui... Il y a un truc qui s'oppose. Il y a un problème. Tu sais, tu es majeur, il est majeur. Mais vous êtes allé parce que le juge aussi va se dire que vous partez dans un club de striptease. C'est un club de striptease, c'est fait pour s'exciter. On est d'accord? Ça veut dire que vous prenez deux gaillards. Donc, c'est notre club de striptease, c'est le seul endroit que vous avez trouvé que vous allez partir. Donc, c'est vous qui l'avez la provocation. C'est vous. Je veux que tu comprennes un peu, ma grande. Ça veut dire que c'est vous qui vous l'avez invité dans un club de striptease. C'est fait pour s'exciter. N'est-ce pas que ta copine est aux que comme c'est la Saint-Valentin, vous êtes parti au club? Non. J'ai dit que je suis parti retrouver ma copine pour la Saint-Valentin. D'accord. Je n'ai pas passé. Oui. Après, on a passé avec ma copine. Après, j'ai rencontré. Après la Saint-Valentin, elle m'a présenté ses amis Christian et tout. Mais ce qui m'a amené, parce que je n'habitais pas dans la ville, ce qui m'a amené là-bas, j'allais passer la Saint-Valentin avec ma copine à l'époque. Parce qu'elle était célibataire et j'étais célibataire. Mm-hmm. Voilà ce qui m'amène à Baltimore. Parce que je ne reste que dans une autre ville. Tu
tu vois un peu, non, ma chérie. Il... Donc, c'est après qu'elle me présente les chrétiens. Non, il t'a violé. Frères. Ma, il t'a violé. Ce n'y a pas d'excuse. Dis-moi, si il y a un truc que les gens... Non, même maintenant, tu peux tout porter plainte. C'est l'Amérique. Il t'a violenté. Oui, il t'a violé. C'est un viol. Parce que là, maintenant, tu es traumatisé après, psychologiquement. Si le gars là, si Christian écoute mon live, Christian, si tu écoutes encore une bouche que tu as niée, ouais. Je t'amène à la police. Non. Je suis mariée avec un bien ma, je la carte, regarde, hein, si tu ne l'amènes pas, ça veut dire qu'il n'y a rien eu. Tu dois l'amener. Tu ne dois pas, on ne protège pas un violeur. Tu dois porter. Pour être libre même. Sinon, ma, ça va te traumatiser toute ta vie. Oui, il t'a violé. C'est pourquoi j'ai laissé passer. Non. Tu sais que je suis d'abord à marier, tu comprends. Oui. Et c'est une histoire que je n'ai jamais vraiment expliquée. Je parle comme ça à mon mari à côté, maman, je ne comprends pas le français. Tu comprends. Oui. C'est une histoire que je n'avais expliquée à mon mari. Donc si je pars à la police et je remonte, mon mari m'a dit que maman, donc tu as eu le mariage, tu ne m'as pas raconté que tu as un traumatisme comme ça. Et après, j'ai les enfants avec mon mari. Donc ça va être un truc qui va un peu réchauffer. Mais si ça m'énerve, si je. Parce que c'est celui qui l'a nié. Mais si c'est que j'écoute que tu niques encore une à deux bouches qui sont. Je vais faire ça à mon mari, je vais l'expliquer. Je vais pleurer que j'avais peur de lui dire, j'avais honte parce qu'il m'a violée. Et je vais partir te porter plainte. J'ai les preuves. J'ai fait un an sans plaire à ma copine. Elle dit qu'elle m'a amené pour moi comme au viol. Est-ce que, regarde ma chérie, est-ce que tu as gardé les messages qu'il t'a envoyé après pour s'excuser, tout ça là? Malheureusement, j'avais le iPhone 6 à l'époque. J'ai acheté le téléphone, c'est ça. Il m'avait appelé pour me demander des excuses. Il m'a dit que je m'excuse. Même son ami connaît. C'est son ami qui est basse, le gars la connaît, c'est qui son ami m'avait fait. Mais Cynthia m'a dit qu'elle a quelques preuves dans son téléphone. Oui, tu peux porter plainte. J'ai tu peux. Qu'il non. C'est ça qui m'a énervé. Est-ce que quelqu'un, toi aussi, est-ce qu'un homme marié comme ça qui est en train de chercher, est-ce qu'il va accepter? Toi aussi, est-ce que c'est les choses qu'on accepte? Il ne peut pas accepter, il ne peut pas avouer. Il va accepter quoi? C'est un prédateur. Je n'ai pas appelé mon mari, je n'ai pas fait ça à mon mari ce soir, je l'explique le problème, je pleure, je dis que j'avais honte de lui dire parce que c'était... Non, parce que tu as les preuves. Si tu as les preuves, tu vois un peu. Parce qu'on n'est pas possible de porter plainte comme ça si on n'a pas de preuves. C'est seulement entre vous deux. Je n'ai plus les... Malheureusement, je n'ai plus les preuves. Mais Cynthia m'a dit qu'elle a quelques VN qu'elle avait envoyé pour dire que pourquoi Claire rentre et pleure. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Claire rentre et pleure? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle pleure? Ça, ce n'est pas une preuve. Sa réponse était quoi? Parce que sa réponse... Ouais, tu comprends un peu? Non, je veux juste que tu comprennes que... C'est que Dola dit que... Il y a un message, tu as envoyé un message que pourquoi Claire rentre et pleure. Mais ça, ce n'est pas une preuve de quelque chose, en fait. Ça, ce n'est pas une preuve. Je ne sais pas si tu vois un peu. S'il n'a pas de preuve, c'est que c'est seulement lui et Dieu. Tu restes tranquille, tu fais ta vie. Un jour, il va tomber des... Ce que tu racontes là, moi, je crois en toi. Je sais que tu ne mens pas. Mais il tombera sur une autre personne et il verra comment ça va se passer. Tu ne peux pas porter ça. Sa première victime, il a essayé de faire la même chose à Cynthia. Et c'est ça qui a fait en sorte que ma chérie, je ne parle pas à Cynthia. C'est après que Cynthia m'avoue qu'il a voulu me violer, comme maman. Donc tu savais que le gars, si c'est un violent. Et pourquoi Cynthia n'a pas dit? Donc Cynthia t'a avoué qu'il a aussi essayé ça avec elle. Après que je l'ai avoué, mais elle m'a dit qu'il se disait, elle m'avait dit que peut-être qu'il se disait que non. Elle se disait que peut-être que c'était seulement un truc comme ça. Il ne se disait pas que c'était son habitude, quoi. Tu vois un peu, non? Mm-hmm. Il essaie de toucher les petits attouchements. Quand j'allais, elle a dit, non, il a fait les petits attouchements que moi, ouais, viens, vas-y. Elle a laissé passer, elle a dit que non, il n'est pas comme ça. Vu que Christian te montre une face d'ange, quand tu ne le connais pas, c'est ça qui a fait qu'il me dit, je ne fais pas confiance. Merde, c'est il pas possible. Comme si, un grand frère, c'est un grand frère pour toi, il va te guider sans mauvaise idée, les choses comme ça. Tout ça parce qu'il veut les fesses, il n'est pas te déposer même à 2 heures de route en voiture parce qu'il sait ce qu'il veut, seulement les fesses. Est-ce que sa femme, tu avais dit à sa femme? Je connais même d'abord sa femme, maman. Je connais. Donc il rôde là-bas au quartier, là-bas, au debout, il tourne comme s'il ne marche pas avec sa femme, hein. Non, tu ne connais pas sa famille, il a même une femme. C'est même qu'il a une famille, il n'a même pas dit qu'il avait une femme. Eh, maman, les hommes, oh, oh. Les hommes. Quand j'ai posé la question pour la première fois, il n'a jamais dit qu'il avait une femme. Il est bien parce marié. Ah bon? Eh, il est marié avec une fille là-bas, 2 enfants à l'appui. Deuxième mariage aux États-Unis. Quoi? Oui, yes. Il est marié. Donc, ta copine Dola, là, ta meilleure amie Dola ne te racontait pas. Cynthia. Cynthia, oui, ange. Cynthia, oui. Il y
Cynthia ne me disait pas. Ah, mon Dieu, bref, c'est mon ça que je voulais parler. Moi, je suis un peu occupée. Laisse moi, ma grande. Je n'ai plus les preuves. Malheureusement, je n'ai plus. Mais on peut retracer, tu sais. Si il parle, ça serait parole contre parole. Mais si tu entends encore, tu parles à la police. Moi, je te conseille. Ne protégez pas les prédateurs. Parce que ce qui m'énerve, c'est qu'il veut dire, reste tranquille. Il appelle les gens pour dire, reste tranquille à battre ton macabre. Mais tu veux me passer pour une menteuse, mon traumatisme. Tu veux me... Non, je dis que si j'écoute le live, si j'écoute encore... Si j'écoute, je parle, nous sommes en Amérique, on peut retracer le Uber que j'avais payé pour fuir Baltimore en pleine nuit. On peut retracer les appels, je te dis d'abord, ni encore une fois, tu vas m'entendre parler. Je viens avec mon avocat. Ah. Oh, je viens avec mon avocat une fois, je viens pas seul, je prends un avocat une fois. C'est grave. C'est ça que je voulais témoigner, allô, ma chérie. Merci, ma puce. C'est grave, ça. Bon, vous voyez, alors, les hommes qu'on épouse, qu'on ne connaît pas. Mes chers frères et sœurs, tout à l'heure, 50 minutes d'insight, parce que je suis en France, je suis un peu, j'aime bien les reportages. Une femme qui a fait 12 ans de mariage avec son mari, elle ne le connaissait pas. Il y a beaucoup d'hommes qui cachent leur visage ici dehors. Tu habites avec lui, mais tu ne sais pas qui il est. Christian, tu es ce genre de personne. Tu es ce genre de personne. Aujourd'hui, tu veux détruire la vie d'une femme parce que tu refuses la pension alimentaire. Dénoncer, c'est protéger les autres. Arrêtez de protéger les prédateurs dans les maisons. Quelqu'un te force, c'est un viol. Quand j'étais à Lille, à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, parce que je suis toujours jeune, je suis plus jeune que Borsangui 100 000 fois. Quand j'étais encore plus jeune, il y avait la boîte de nuit, le Calypso. C'est là-bas que nous partait toujours Njoka, au Calypso de tonton Léonard. Un jour, un Camerounais a pris une femme blanche. Vous connaissez les blanches qui aiment aller danser où il y a les choses des noirs. Christian Paula, tu es un prédateur. Parce que quelqu'un que son banc monte à tout moment, ce n'est pas bon. Mes chers frères et sœurs, vous savez qu'ici en Europe, il y a les boîtes de nuit des noirs là. Il y a certaines catégories de blanches qui aiment aller là-bas danser pour s'amuser. Comme vos frères africains là sont toujours en train de confondre. Dès que tu danses avec un gars que tu le sais, il croit que tu veux dormir avec lui. Notre frère camerounais, père de deux enfants mariés, marié à sa soeur camerounaise. Est sorti au Calypso danser. Il a fini de danser avec une blanche. Il a proposé de déposer la femme blanche. La femme blanche a dit, ben oui, dépose-moi, il n'y a pas de problème. Elle est montée dans sa voiture. Et sur la route, le monsieur a commencé à la toucher. Il croit qu'il est au bled. Ben, tu déposes une fille, tu la droite. Il a touché la femme blanche. Elle a dit, je n'ai pas envie... Je n'ai pas envie. Il a forcé, il a gnasse. Quand il a fini de gnasse, elle a pleuré, elle a payé la police. Il a tapé 8 ans de prison à Lille, à Los. Il a tapé 8 ans de ngata, 8 ans de prison. Oui. Est-ce que les blanches rigolent? Moi, je ne comprends pas vous, les Africains. Vous hébergez les gens chez vous, vos frères les gnasses, vos cousins les gnasses, et vous protégez. Pourquoi vous protégez le mal? Même dans les familles en Afrique, il y a trop les choses comme ça. Pourquoi vous protégez le mal? Si tu ton frère, tu vis avec ton frère dans la maison, tu accueillis peut-être un autre enfant, une jeune fille là, ignace, vous protégez quoi? Les hommes qui ont les maris qui ignacent avec leur nièce dans la propre maison. Ces femmes-là ne balancent pas, soi-disant qu'elles protègent son mariage. C'est le mariage, ça. Hein? Il faut dénoncer. Un homme qui t'aime ne peut pas violer ta nièce. Parce que ta nièce, c'est ton enfant. Oui. Un homme qui t'aime ne peut pas avoir même l'intention. Ça veut dire qu'il peut faire ça à sa propre fille. Oui. Les Watts ne donnent pas le lait. Même les conneries, si on dit que
pension alimentaire, vous êtes couché en Afrique, vous demandez, vous dites que quand tu as les enfants avec une femme, ici en Europe, c'est obligé que hein, tu t'occupes de tes enfants. C'est une oblige, ce n'est pas une faveur. Vous êtes couché en Afrique, oh, ils réclament l'argent. Non, tu dois t'occuper. La pension, c'est obligatoire. La blanche ne rigole pas avec. Même si tu es où elle te pourchasse, tu payes. Mais c'est quoi? Quand vous êtes avec vos soeurs africaines là, vous croyez vraiment? Moi, je ne comprends pas. Un homme qui paye 100, il sait qu'il est dehors, il y a Slenga. Il les accompagne à 2 heures de Baltimore. Mais c'est toi qui refuses de payer 100 $ pour la pension alimentaire des enfants. Tu pleures ce que tu donnes. On peut pleurer ce qu'on donne à ses enfants. Puisque quand on travaille, c'est pour nos enfants. Mes chers frères et sœurs, on va appeler... je vais appeler son meilleur ami. Je vais appeler le meilleur ami de... Je vais appeler le meilleur ami de... De ce mec. Enfin, l'un de ses amis qui va témoigner. Je l'envoie déjà le message. S'il est disponible, il m'appelle. C'est quelqu'un qui le connaît bien. Il faut dénoncer les prédateurs. C'est son intervention aujourd'hui parce qu'on avait dit qu'il va parler après le père de famille. Parce que les gens découvrent des choses sur Facebook. Et c'est pas possible. En Afrique, vous voulez protéger, vous protégez quoi? Oui, allô? Oui, je peux mettre le haut-parleur? Non, mais ça va tranquille. Je peux mettre le haut-parleur, non? Oui, oui, tranquille. D'accord, ça marche, on vous écoute. Ah. Ok, ok. Allô? Oui, oui, je dis que vous êtes en live, on vous écoute. J'ai pris le live là tout à l'heure là et puis je suis tombé sur, sur Claire. Mm-hmm. Ouais. Tout à coup là j'ai une chair de poule pas possible. J'ai rencontré Claire il y a de cela. Je l'ai revu il y a de cela. Je pense 3 ans. À une fête. C'est elle qui m'a reconnu. Claire. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que... Excusez-moi, monsieur, les gens veulent savoir qui vous êtes parce que, bon, comme on vous écoute, les gens voulaient savoir qui vous êtes. Bah, voilà, je suis... D'abord, on m'appelle communément Vincent, Vincent Gomez. Et puis, le petit, parce que je ne veux pas prononcer son nom. Oui. C'est un petit du quartier. Je suis arrivé, on s'est retrouvé ici parce que je ne le connaissais même pas déjà très bien au pays. Je l'ai vu quelques fois. Parce que moi, quand je partais du Cameroun, il était tout petit, je ne l'ai pas connu. Quand je suis rentré dans mon petit bois, je l'ai connu. Mais je ne pas, je le voyais au quartier comme tous les autres petits. Mais je ne le connaissais pas, je ne l'ai pas connu, je ne peux pas dire que je le connaissais vraiment. Mais je suis arrivé ici, je l'ai vu une fois, moi j'étais en New York, et puis il m'a dit qu'il était ici, je suis venu chercher, l'a ramené chez moi en New York, on a passé 3 bons jours. Et puis il est rentré ici, et puis pendant ma vie, il a fallu que je parte de New York, et puis j'étais un peu... je n'arrivais pas à me décider entre Washington et puis ici. Et puis parce qu'il était ici, je lui ai dit, il m'a dit, non, mais tu peux aller à Washington pendant que moi je suis ici, alors tu viens ici. J'ai dit, ok, pas de problème, moi je viens là-bas. Parce que je savais déjà qu'il était là-bas. Et puis c'était, ça me ferait du bien, beaucoup plus du bien, à savoir que j'ai un frère dans une vie, machin, truc. Comme ça, là, il est venu très rapidement, nous sommes devenus, parce que c'est pas mon égal. Entre lui et moi, il y a une différence d'âge de moins de 10 ans. Mm-hmm. Et puis il arrive, moi j'arrive avec une expérience du fond.
Je suis sorti très depuis. Je suis sorti pendant. J'ai pas plus de temps dehors que lui. Lui, il venait d'arriver. Donc, il fallait automatiquement que. Enfin, je me suis senti obligé. Pas obligé, bon, mais c'était mon petit frère. Donc, il fallait que je le. Tu vois, il était là et je l'aimais bien. Et puis, il fallait aussi que je l'oriente dans certaines choses. Surtout pour sa paperasse. Parce qu'il est arrivé par le biais d'un visa. Pas d'un. Visite visa, le visa touriste là. Et nous savons tous que quand tu arrives dans un pays avec un visa touriste et que tu décides de rester, tu ne peux pas vivre dans un pays tant que tu peux pas t'en sortir dans un pays tant que tu es en situation irrégulière. C'est vrai. Alors j'entends des histoires du genre, oh, un pays comme les États-Unis, quand tu arrives avec un visa de touriste, tu n'as que deux options, ou alors trois options. Si tu es intelligent, tu viens avec des diplômes, et il y a une entreprise qui peut t'engager, et par le biais de cette entreprise, tu auras des papiers. Soit tu vas faire le ngunda, comme on dit communément, pour avoir tes papiers, soit tu dois te marier. Alors, n'allez pas me dire qu'un individu qui se retrouve dans un papier, dans un pays sans papier, ne va pas se marier, va se marier sur le biais parce qu'il est amoureux. Ça n'existe pas dans l'histoire du front. Frontières. Tu te maries parce qu'il y a une nécessité. Et tu rentres dans ça. Tout à fait normal, c'est mon petit, je dois l'encadrer. Je l'ai encadré comme il le fallait. Son premier mariage, j'ai été témoin. Son premier mariage, quand il fallait envoyer les papiers à l'immigration, j'ai endossé, j'ai signé, mon nom y est marqué, j'ai envoyé. S'il y a retour, ça me prend. Le deuxième mariage, j'ai signé, j'ai endossé, j'étais témoin. S'il y a retour, ça me prend. Alors n'allez pas me dire que je ne peux pas parler parce que depuis une semaine, je reçois des menaces de mort. Et je suis préparé. Voici ce qui se passe. Le premier mariage, je suis témoin. Il va se marier. C'est normal parce qu'il y a une urgence. Il faut le chaos à tout prix. Je lui dis, mon petit. C'est bien comme tu as pu te trouver. Il s'est débrouillé comme il pouvait. Hein. C'est un bosseur. Ça, je ne veux pas le lui retirer. Ce mec, c'est un bosseur. La fille a posé ses conditions. On a honoré ses conditions. D'autres machin truc. Le petit là, il a saigné. Ils se sont mariés. Alors, tu ne peux pas être. Tu ne peux pas conduire. En fait, de façon générale. Prenons un exemple. Tu es dans une voiture, tu es en train de conduire. Parce que tu es distrait, tu es dans ton téléphone, tu vas faire un accident. Tu vas accuser les autres de t'avoir traîné dans un accident. Non. Tu t'accuses toi-même. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Et il y a un truc, je me suis tué depuis 2018 parce que j'ai entendu ça. Les gens l'ont répété. Parce que lui-même, il n'est pas véridique, il ne dit pas la vérité. Le personnage, il est narcissique. On dit aujourd'hui que c'est la petite Mercedes qui a gâté son mariage. Je vais dire solennellement que celui qui a gâté ce mariage-là, c'est lui-même par ses erreurs. Il a été accompagné, en passant. Mercedes est bien en troisième position. Parce qu'entre Mercedes et lui, il y a une Congolaise. Hey. Les gens ne l'ont jamais su. Wow. Il y a une Congolaise et c'est la Congolaise qui gâte le mariage. Si vous parlez de quelqu'un qui gâte le mariage, parce que la Qui Congolaise, gâte elle est bien plus. le premier mariage? Là, on parle du Pourquoi premier c'est la mariage Congolaise qui. gâté. On parle du premier mariage gâté. C'est la Congolaise. Parce que la Congolaise, elle est nympho. Ah.
nous savons tout ce que c'est qu'une fine info. Attends, je vais et traduire. Excusez-moi, je peux traduire. Une fine info. Les gens, excusez-moi, une fine info, c'est une fille qui veut niasse à chaque seconde. C'est ça qu'on appelle une info. Merci. C'était pour traduire, parce que beaucoup là, quand c'est le gros français, ils ne comprennent pas bien. Mm-hmm. Non, papa, on t'écoute. Quand ça commence, quand ça commence, c'est avec elle. C'est elle qui vient parce que elle entre, elle est très belle, c'était très belle fille. Très très belle fille, avec des nichons bien debout comme ça là, et des fesses qui balançaient là, tac 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 tac. Alors, le petit, il voit ça, il est traumatisé, et en plus, c'est une nana avec qui, tu vois, c'est le genre de fille que tout le monde rêve d'avoir là. Parce que tu vas la monter à 6h, 7h, 8h, quelle que soit la position. Parce que moi, je parle avec des preuves. Hein. C'est un gars qui avait vraiment faim, hein. Ça, c'est le genre d'un gars qui a faim. Waouh, waouh, waouh. C'est elle. Parce que quand ça commence, ouais, quand ça commence, je lui dis, ça a commencé, je lui dis, bon petit, bon, ça va. Tu vois, nous sommes des joueurs. Nous sommes des joueurs, moi je suis un joueur professionnel, je l'accepte, je suis un joueur professionnel. Je dis, nous sommes des joueurs, écoute, il y a un truc qui est primordial, tu ne dois pas te détacher de l'objectif qui est principal, qui est le Kaolo. Waouh. Tu peux t'amuser, comme tu t'amuses là, mais ne te détourne pas de l'objectif qui est principal, qui est le Kaolo. La guerre. Il me dit oui. Mais seulement, il est distrait. Je peux t'apporter des conseils, mais à un moment donné, si tu ne le comprends pas, c'est un problème. Mm-hmm. Il a été distrait. La fille l'a distrait dans son ménage. Tu ne peux pas, avec une fille comme ça, là, tu ne peux pas binda matin toute la journée et tu rentres. Et à la maison, tu continues. À un moment donné, tu vas fauter quelque part. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, ça n'a pas gratté beaucoup. Ouais, papa, on dit que hein, excuse-moi, on dit que, comme tu dis, joueur là, que ce n'est pas arrivé que tu goûtes un peu l'angala. Là. La congolaise, là. Non, je viens. Je viens, j'arrive, vous êtes pressé. C'est le diapap, non? Non. Vous le diapap. Alors, il continue, bon, on se la joue comme on peut, ça va, il me coûte, machin truc. Et puis un jour, débarque Mercedes. Parce que nous, on l'appelait BMW. On l'appelait BM communément. Pourquoi on l'appelle BM? Parce que c'est une petite fille, c'est une fille qui est gold digger. Et la gold digger, c'était son travail. Donc, c'est une fille qui est arrivée ici par le biais, je ne sais pas moi, on a dit green card, machin, truc. Elle est arrivée, tu vois, elle est rentrée, elle avait sa petite fille qu'elle menait à côté là, tu vois, elle se battait comme un. Elle ne sortait qu'avec les mecs qui ont des sous. Mm-hmm. Elle avait une BMW, elle avait une BMW, parce qu'apparemment, elle a toujours une BMW coupée. Mm-hmm. Très neuve. Elle venait de chauffer cette voiture. Alors le mec, je sais pas, elle était l'amie de la pétisseur du mec. Un jour, elle allait se coiffer chez son ami, chez sa copine. Alors le mec, naturellement, avait bonne femme, une fille. Tu vois, aussi avec les nichons bien debout là, les fesses là, tic 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 tic. Bon, voilà. Ouais. Et en plus, elle avait une belle petite voiture qui était garée dehors. Nous garer la ville. Voilà, ça, voilà mon truc. Ça l'a encore du fait. Il a honoré notre fonction de notre qualité de joueur. Il a honoré, il a dragué, il est rentré dans ça. Je lui ai dit, quand il rentre une fois, il vient me dire, papy,
Je viens de rencontrer une petite là, elle a une BM, elle est quand même assez de... Je n'ai que petit frère. Tu ne peux pas. Parce que le travail qui a dépassé le lion, tu ne peux pas. Ça fait trois ménages à gérer. J'ai dit que même le lion n'a pas pu. Tu ne peux pas. C'est là où on vient. Voilà, c'est là où naturellement, j'ai dit que mon petit frère, à un moment donné, il va falloir que tu fasses un choix. Fais la passe à ton grand. Parce que je ne peux pas continuellement. Parce que toi, tu as un objectif à aller suivre. Ce que toi, tu cherchais déjà, moi, j'ai déjà. Donc, ça veut dire que je peux m'amuser. Toi, n'entre pas, arrête, limite la casse. Sinon, tu vas t'égarer. Bon conseil. Mais c'était le genre que quand tu dis que petit frère, fais la passe, il va tuer ses quenouilles au sol comme ça, là, comme le chimpanzé, dit que zéro faute. Rien ne passe. Il dit, bon, pas, tu vas caler dedans. C'est-à-dire que tu vas caler dedans. Comme tu ne m'écoutes pas, tu vas caler dedans. Ironie du sort, ironie du sort. Ça a commencé à... Tu vois, ce n'était plus à la maison, problème après problème, problème après problème, problème après problème, problème après problème. À un moment donné, puisqu'il fallait que... Tu as deux filles, tu as deux jeunes petites filles qui, tu vois, qui sont à côté de toi là. Oh, qui ont des désirs, tu vois. Tu dois minder le matin, le soir, tu dois minder l'autre, et puis il faut rentrer le soir. Papa, même le lion ne peut pas dépasser le lion. Il ne pouvait pas. Et c'est là où il rentre dans les problèmes inutiles. Ouais. Puisqu'il avait sa petite, sa bonne femme Douala, Ndale, qui nous faisait des bons mets, des ndolins, machin, truc. Je l'aimais bien. Une très bonne femme de maison. Wow, vraiment. Mais il faudrait que ici, là, je commence à citer tout le monde. La famille même n'a pas aidé. La famille même n'a pas aidé. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ils rejettent le tort à tout le monde. Oh, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a fait. Non, à un moment donné, quand elle commençait, la fille Douala, je sais que tu avais écouté. Moi particulièrement, je te demande pardon. Parce qu'à un moment donné, on savait tout ce qui se passait. Mais on a fermé, chacun de nous a fermé sa gueule. Même tous ceux qui viennent jouer les fanfarons aujourd'hui, tout le monde a fermé sa gueule. Wow. On savait tout ce que ce qui, on savait ce qui, les deux machines, les petits Mercedes, l'autre là qui tripotait autour là. Il y a même un jour, on était tous ensemble, toutes les filles étaient là. Hey, elles se sont retrouvées à toi, Tout papa. le monde savait. Toutes les filles Ouh, savaient. Le ouh. Wow. jour où sa soeur, le jour où sa soeur s'est fait épouser, on a adopté sa soeur au Cameroun là-bas, on se retrouve là. Tous les amis qui étaient là sur place savaient ce qui se passait. Mais quoi? Aujourd'hui là, nous tous, nous jouons les fanfarons. Nous devons, chacun doit prendre le miroir, poser devant lui, essayer de regarder et se poser des questions. Entre-temps, vous On êtes n'a pas bien à dans vos rester. mariages, non? Entre-temps, vous êtes bien avec vos... Vous êtes bien dans vos mariages, mais vous encouragez le Mais petit Agnès. oui. Moi, je suis un niasseur. Je suis un niasseur professionnel. J'accepte. J'accepte. Mais au moins, je donne des bons conseils parce qu'il y a un objectif qu'il faut aller chercher. Il y avait l'objectif qui était là. Ne te détourne pas de l'objectif. Et il y a un truc, et puis, ça a commencé à capoter. La femme de maison, elle a commencé à se douter qu'il y avait quelque chose qui n'allait, qui ne tournait pas rond. Elle est partie de la maison. Elle est partie. Et Ouais. quand elle est partie, il fallait prendre une décision qui était mathématiquement avantageuse. La Congolaise ne pouvait pas supporter puisqu'elle n'avait pas le cas. Elle n'avait que la green card. Elle était pauvre. Moi, je ne peux pas conseiller à mon frère d'aller chercher une fille qui est pauvre. Alors, je lui ai conseillé. Il m'a dit, mathématiquement avantageuse. C'était qui? C'est Mercedes. Petite fille qui vient de finir son école. Elle a sa petite voiture.
L'avenir est là. Pourquoi est-ce que je vais, non, non, pourquoi est-ce que je vais encourager mon frère à aller chercher une fille qui n'a rien? Normal. La Congolaise n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle était belle, c'est vrai, elle était belle, elle avait tout ce qu'elle voulait, mais elle n'avait rien. Et s'il te plaît, la Douala, la fille Douala a mis le petit sur petit vélo. Oh non, ne te fâche pas, ton Kaolo, je ne veux pas le gâter, ma chère, tu sais, tu fais là, petit frère. Laisse le modèle, c'est là. Le Kaolo est déjà gâté. À partir du moment où elle est venue, elle a pris ses choses, elle est partie. Ne fais plus rien. Elle met sur petit vélo. Oh, petit vélo, petit, ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce qui va aller? Qu'est-ce qui va aller? Il rentre dedans. Oh, lui aussi, il s'assoit, il écoute. Oh non, elle a dit qu'elle ne va pas. Elle a dit qu'elle ne va pas gâter. Elle ne va pas gâter. Quoi, petit peu, tu es un bourgman. Tu ne lis pas. Tu ne lis rien, là-bas. Le jour du rendez-vous, elle n'est pas go. Le petit a failli péter un câble. C'est là où Mercedes. C'est là où Mercedes. Pour lui remonter le moral, dit que non. Je vais t'aider. Waouh. Je vais t'aider. Voilà. Voilà une fille qui a compris. Elle a compris que non, elle devait faire le travail. Le petit a retrouvé le sourire. Wow. Et c'est là où la famille, c'est là où la famille du gars demande à la fille. Parce que la fille n'avait toujours pas demandé le divorce. C'est là où la famille du gars demande, ok, comme tu ne l'aimes pas, hein, parce qu'il y a eu des négociations qui entre temps, que non, il faut revenir à la maison, machin, truc. Elle ne voulait pas revenir. Non, ok, comme tu ne reviens pas, hein, libère le gars. C'est là où donne-lui. Séparez-vous. Divorce, machin, truc, il peut faire sa vie. C'est là où la fille va demander le divorce, et puis le divorce est prononcé. Et le gars, maintenant, il peut faire sa vie. En même temps, il avait déjà commencé à fonctionner avec Mercedes, tout naturellement. Ils ont commencé à faire leur vie, machin truc. Et puis, il y avait déjà l'enfant qui est entré. Ouais, ils habitaient déjà dans la même maison. Et puis, mais déjà, même depuis le départ, il y avait déjà des petits problèmes. Mais ça, ce sont des problèmes. L'autre dame, mouton, il met un club de gigolo, déchets de vie. On est venu lire l'heure ici-là. Voilà, on a continué. Voilà, on continue naturellement. Ils se sont mariés. Et comme dans tous les couples ont des problèmes. Tous les couples ont des problèmes, et puis lui, il a commencé à, je sais pas ce qui est monté dans sa tête, tu vois, il a commencé à monter Mercedes contre ses amis, il a commencé à monter ses amis les uns contre les autres, et lui, il était au milieu. À un moment donné, tu vois, c'est chacun qui regardait l'autre d'un œil méfiant. Ils ont compris, tu vois, les problèmes ont commencé à se tirer à gauche, à droite, ça n'allait pas, ça chauffait, mais jusque là, bon, puis de coup, dans tout le couple, il y a des problèmes, dans tout le mariage, il y a des problèmes, donc ça va, c'est monté là-bas. Et puis arrive un jour, c'est mon anniversaire. Mm-hmm. On arrive à mon anniversaire, et puis tout le monde était là, ils sont venus à fond. C'était un barbecue, tous mes amis sont arrivés, c'est mon petit qui était à la cuisine. Parce qu'il faut bien le noter, c'est un très grand cuisinier. Wow. Il maîtrise bien les cuisines, les nourritures de chez nous. Mm-hmm. Voilà, c'est lui qui était à la cuisine. Et puis, parce que, entre-temps, il y a des choses qui se sont passées. Je détestais Mercedes jusqu'à la moelle épinière. Ok. Oui, je la détestais jusqu'à la moelle épinière pour des raisons personnelles. Enfin, c'était une détestation par procuration, parce que c'est à cause de lui-même d'ailleurs que je déteste Mercedes. Parce qu'elle a fait faire Mercedes. C'est lui qui fait faire Mercedes des erreurs contre ma personne. Mm-hmm. Je ne veux pas m'attarder dessus. Je ne veux pas m'attarder dessus. Et puis, elle m'a sali. Parce que c'est lui, tu vois, quand tu es en train de chercher une femme, mm-hmm. quand vous êtes entre vous là-bas, dans la chambre, tu vois, vous dites des choses, et puis Mercedes, comme elle était encore très naïve, elle se permettait
De de me quoi? salir auprès de, voilà, de me salir auprès de certaines de mes amis. Ça m'a touché, ça m'a affecté personnellement. Je lui ai dit, écoute, moi, ta femme, Mercedes, fais un effort. Ne viens plus jamais avec elle là où je suis. Je l'ai détesté. Jusqu'au jour de mon anniversaire, je lui ai dit, écoute, voilà, tu peux. C'est mon anniversaire, c'est la première fois que j'invite des gens, tu peux venir avec elle. Ils sont venus, ils étaient à la maison, et puis pendant qu'on est en train de boire, il y a sa tante. Sa tante au nom de. Parce que je vais citer le nom. Il faut citer le nom, parce que les gens se sont cachés trop devant leurs responsabilités. Sa tante s'appelle Annie. Elle arrive chez moi. Ils sont là ensemble. Pendant que nous sommes en train, elle dit ceci. Elle dit, Mercedes est là. Elle est à froid avec ta belle-fille. Elle ne s'entend pas. Elle dit ceci. Mercedes, elle ne s'adressait pas à Mercedes. De façon générale, elle dit, un homme normal doit avoir plusieurs femmes. C'est sa Doit tante avoir qui dit plusieurs ça. Jumba. C'est sa femme qui dit ça. Plusieurs Jumba. Belle-fille est là. Tu ne t'entends pas avec elle. Mais c'est toi qui tiens ce genre de discours. Un homme normal doit avoir plusieurs Ndiomba. Et son fils qui est derrière, en train de nous concocter des bons mets là, il répond, oui, c'est vrai ce qu'elle dit. Si tu veux que ton mariage réussisse, tu dois avoir plusieurs Ndiomba. Est-ce que Mais c'est ça lui se qui a poussé le dit? doigt. Nous ne sommes pas en Afrique ici, hein? Nous ne sommes pas en Afrique. Nous ne Ça ne sommes se pas dit en Afrique. pas. Ça ne se dit pas. Et en plus, il y a. Le petit avait invité une autre fille ce jour-là à mon anniversaire. La fille l'appelle, lui dit, je suis en train d'arriver. Pendant qu'il était au téléphone, il est en train d'indiquer un peu le point parce que c'était un peu compliqué. Voici ce qu'elle continue. La même tante Annie. Elle prend son. Elle dit, elle appelle Mercedes. Voilà ton mari qui est en train d'appeler Tanjumba. Le jour-là, il y a un de nos amis. Tu crois qu'il était là? Tu es sûr que sa Avec un tante peu là, de dignité. regarde, excuse-moi Gomez, est-ce que tu es sûr que sa tante là voulait même du bien de Christian? Parce qu'une Je sais mère pas ça. qui veut du bien de son enfant ne peut pas tenir ses tempos. Elle doit plutôt l'encourager, le protéger, à ne pas mettre son mariage en péril. Ce n'est pas sa mère, c'est sa tante. Je ne veux pas le savoir. C'est elle, ses motifs, moi je n'en connais pas. Elle le dit, quand elle le dit, moi j'ai écouté ça. Parce que parce qu'en parlant, il faut bien que c'était. Il y a Duclos qui est là, on le connaît. Elle-même, Annie, son mari était là. Il y a une autre fille qui était là, qui s'appelle Ivana, une autre de nos une autre, un ami. Une amie en plus. Andy Dollar était là. Et il y a un célèbre artiste camerounais du nom de Amal Lacla, parce que moi j'ai cité il était là. Elle le dit, des choses qu'on ne dit pas, tu ne peux pas appeler ta belle-fille avec qui? Voilà, ça commence déjà à s'appeler, là on m'appelle déjà. Ne m'appelez plus, ne m'appelez plus, vous allez dire que vous allez me tuer, ne m'appelez plus. Et une fille, elle me trouble là. Mais voilà, ta belle-fille, tu t'attends pas avec elle. Et tu l'appelles, tu lui dis, voilà ton mari qui est en train d'appeler. Qui est au téléphone avec Sandjumba. Tu ne t'attends pas avec ta belle-fille. Tu crois qu'elle va le prendre comment? Elle va Tu le crois qu'elle va le prendre. prendre comment? Non, très mal. Très, très mal. La fille n'a plus le doigt. La fille n'a plus le doigt. Attends, ne quitte pas. Ne quitte pas. C'est chaud. Donc, vous voyez donc en Europe, non? Vous voyez donc comment? Pendant qu'on est là comme ça, il y a des prédateurs de papier. Il y a des gens qui sont là, ils font les calculs, les dimensions pour voir que, bon, celle-ci, elle a ses papiers et le travail. Celle-ci est belle, mais elle n'a pas de papier. On fout quoi avec toi? Vous voyez? Oui, allô? Allô? Oui. Ouais, ben voilà. J'ai coupé court. Et puis, ça s'est passé le jour-là.
La troisième, le troisième fois cop, on est en train de couper le gâteau. On est en train de couper le gâteau. Mon gâteau, et puis voilà, puisque je coupe le gâteau, il y a mon totem qui est à côté, et puis là, à l'autre côté, là-bas. Et pendant que je coupe le gâteau, il commence à crier bisous, bisous. Je veux faire le bisou sur mon totem. Et puis là, de l'autre côté, là-bas, il dit, voilà, et le totem, tu pouvais savoir que la poule, c'est là. Chope l'intact, là, dehors, c'est que Hé, tu ne peux hey, pas faire ton bisous sur totem mon comme totem. ça, c'est ta fin. Excuse-moi, sans tout toi te couper. Ce n'est pas chez toi que ton totem a trouvé le ndamba dans la poubelle là, accroché sur la pare-brise. J'ai sauté là-bas, j'ai sauté. Le ndamba que le gars avait mis chez Non, toi, il a oublié. Le totem est venu vider la poubelle. Et le totem a pris c'est ça. accroché sur la pare-brise. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. En fait, ce sont des histoires sur lesquelles je ne veux pas m'attarder parce que Ouais, c'est un j'ai 10 des histoires. dollars, 8 dollars, c'est dollars qui appelle. C'est pas un nom. Non, je ne. 8 dollars. Je te prends après. Je te prends après. Oui. Vous voyez comme genre, la nias. Allô? Oui, pardon, excuse-moi, j'étais en train de dire à la personne que je rappelais. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Et puis, quand il a dit ça, moi j'ai brossé parce qu'il avait dit, il a dit ça en passant. Parce que moi je suis un gars bassa, il a dit ça en passant. Moi j'ai brossé, c'est mon petit, je connais ce dérapage, et puis je laisse. C'est armant la classe, ça l'a révolté. Armand la classe, ça l'a révolté, c'est lui qui va dire ça à sa femme. C'est lui qui explique, qui traduit ce qui vient de se passer à sa femme. Ça faisait trop, ça faisait trois fois cop. Ils En m'ont une offert la boîte soirée. de nuit, voilà, une soirée, ils m'ont offert une boîte de nuit, nous sommes allés en boîte de nuit. Dans la boîte de nuit, sa femme veut danser avec lui, il ne fait que. Tu vois, il fait des faux trucs là, des trucs d'amateur là, qu'il fait là, moi je sais pas. Et puis, écoute, pendant que sa femme va en boîte de nuit, il va. Avec la fille qui est venue, qu'on a présentée comme sa jumba. Et puis sa femme qui sort de la boîte de nuit voit ça, c'est là où le scandale part. C'est cette semaine-là que Mercedes part de la maison. Oh, Juste wow. chose. Mais il a un problème. Il C'est cette boit. semaine. Ton ami là, ton frère là, il prend le bois bandé, papa. Comment il aime la nias comme ça? Non, mais je ne pense pas que. Je ne sais pas, parce que je ne peux pas dire ici qu'il sortait avec cette fille. Je ne sais pas, je ne pense pas. Parce que. Ça a juste été un problème. Je pense que ça a été un problème de. Tu vois, d'immaturité. Et c'est depuis ce jour-là que Mercedes est sortie de la maison. Entre-temps, Mercedes est sortie. Tu vois, on a entrepris des négociations pour qu'elle rentre. Elle nous a dit que s'il fallait qu'elle rentre, il fallait qu'on aille l'épouser parce qu'elle s'était mariée. À la hâte, il y a tellement de problèmes, la famille ne l'aime pas, des trucs à dormir, voilà. Donc elle veut qu'on l'épouse. Et puis cela, ça coincait. Il y avait des négociations, tu vois, il y a eu des négociations entre pas, elle ne venait toujours pas. Et puis bon, voilà, un jour vient où elle décide d'aller à Las Vegas. De se refaire, je sais pas Les idées, moi, quoi, les les idées. idées. Voilà, les idées, machin truc. Et puis le gars, lui, entre-temps. Parce qu'on avait déjà peur, on avait déjà peur entre-temps, parce que je lui disais tout le temps que Joe, le fait que la gosse soit partie, c'est là. Papa, le chaos aussi est mort. Le chaos est mort, donc il faut s'arranger à ce que. Parce qu'aux États-Unis, il avait un chaos de 2 ans. Pour renouveler, pour son chaos de 10 ans, il fallait reconstituer le dossier et puis ça nécessite la signature de Mercedes. Je lui ai dit que papa Local aussi est mort, donc voilà, tu vois, tu fais un truc. Et là, nous sommes coincés. Mercedes, elle nous a offert la possibilité d'avoir Local de 10 ans. Elle va à Las Vegas. Entre-temps, nous, on reste là. Le petit a pris un coup parce que c'était une humiliation. On se moquait de lui dans la ville. On a débarrassé la maison et puis voilà, encore un 10 dollars. Elle vient, elle prend des vidéos, elle filme les photos d'une fille qui était là. Et puis on lui a demandé de poster les photos. Elle a posté les photos, Mercedes a
a vu ça, elle est venue, elle est rentrée Manu Militari. Elle est arrivée, elle a déclenché la bagarre. Dans cette... Bon, pas la bagarre, elle est venue le froisser, machin truc. Lui, il a appelé la police parce qu'on se doutait un peu de la démotivation de Mercedes. Et puis voilà, il y a eu, la police est venue. Angie était là. Encore sa tante Annie était là. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit à la police. Et puis, il y a eu une ordonnance, je pense, une ordonnance restrictive qui s'appelle Resenio Oda, qui a été délivrée d'une semaine. Quand là, c'est délivré, c'est encore moi, le grand frère qui le déteste, qui lui dit, écoute, papa, maintenant, là, avec le machin d'une semaine, c'est là. On peut utiliser ça pour contourner la signature de Mercedes. On prend le cas de 10 ans. Et puis ça va, la vie continue. Donc c'est toi qui lui donnais les conseils d'aller chercher les papiers? C'est mon frère. C'était mon frère à l'époque. C'était mon frère à l'époque. Il m'avait, présenté. Voici ce qui se passe. Il m'a dit, Mercedes le dérange dans la maison. Mercedes le fait payer toutes les factures. Mercedes l'utilise. La maman de Mercedes... Le déteste. La maman de Mercedes, ils veulent sa mort dans la maison. Au nom des papiers. Alors, j'ai dit ceci. De toute façon, ne t'inquiète pas, je suis là. Cette bataille-ci, on va la mener ensemble. Mais tout ce qu'il m'a raconté, c'était du pur mensonge. Je n'ai jamais su que Mercedes payait les factures dans cette maison. Jusqu'à 9 mois de grossesse dans cette maison. Je ne savais pas. Je ne savais même pas que Mercedes pouvait m'acheter une bouteille d'eau dans cette maison parce qu'on m'avait dit que dans cette maison-là, il m'a dit que dans cette maison, il achetait jusqu'aux garnitures. Merde. Moi, je venais en aide à mon petit frère. Je ne savais pas que il me manipulait. Quand je lui donne même je lui donne, parce que lui ne savait pas. Tu vois, il n'est pas très éveillé. Moi, je suis passé par là avant lui, donc je l'éclairais. Il a décidé d'aller mettre Mercedes sur Resenio Oda. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Mais de toute façon, moi, je voulais tirer profit de ce Resenio Oda. C'est ce qui se passe. Et je lui ai dit même, quand on a éteint ça, je lui ai dit, écoute, ton papier va sortir entre 3 et 6 mois. Mais entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Assure-toi à ce que tu lui donnes un peu d'argent. Tu payes la maison. Tu vois, pour que ça ne pèse pas sur elle, ce qu'il n'a jamais fait. Jusqu'au jour où Mercedes commence à se plaindre que non, c'est le Seigneur Oda qu'on a mis sur sa tête là. Elle ne parvient plus à trouver du travail. Il faut aller l'enlever. Et il me dit, moi, son grand frère, qui l'a soutenu dans toute cette mascarade là, il m'a dit que pour qu'il aille, pour qu'il fasse quelque chose, il va falloir que Mercedes aille demander pardon à son pasteur. Alors je lui ai demandé, toi tu es un homme, tu envoies ta femme demander pardon à un autre homme. Qu'est-ce qui ne va même pas en fait? S'il te plaît, en ce temps, le pasteur de Nièce Mercedes, c'est ça le nœud du problème. Le pasteur leur a dit, apparemment le pasteur leur a promis qu'ils allaient atterrir au Cameroun en jet privé. Et derrière ça, il prend Mercedes. Quel est cet homme-là? Ta femme peut revenir avec toi. Tu le portes comme condition qu'elle doit aller demander pardon à un autre homme. Mais ça ne va pas la tête. C'est pas possible. Pourquoi ils ne font que m'appeler? Est-ce que tu as te dit la vérité? Qui ne marche pas. Je n'ai jamais vu un mariage qui marche si la belle-mère, les deux belles-mères ne s'entendent pas. Il y a la mère de Mercedes qui ne s'entend pas avec la mère de Christian qui est ta femme. Essaye de les faire asseoir, quelle cause qu'ils trouvent un terrain d'entente. La première fois, il m'a dit que oui, ça va, j'allais le faire. Deux semaines après, quand je suis venu le dire, il m'a dit que ma femme m'a demandé de sortir de ce problème. J'ai fermé ma bouche. C'est toujours le même frère qu'on dit
Il déteste. Aujourd'hui, ils ont laissé le Oda Payistin, c'est fini. Et il y a eu un faux record entre lui, sa tante Annie, il y a une de 7 ans qui sort de Paris, là, qui s'appelle Mimi, et la petite fille qui a appelé l'autre jour, là, qui s'est présentée comme la frère, comme son cousin, machin, truc. Ils lui ont dit qu'il ne voulait plus d'elle. C'est ce qui motive Mercedes à aller demander le divorce. Wow. Elle demande le divorce. Il vient se plaindre vers moi, il me dit, à l'époque, je causais avec lui, il vient se plaindre, il m'a demandé le divorce. Je lui ai dit que non. Laisse de toute façon, elle a juste demandé le divorce. Tu peux aller la voir, vous causer, elle va retirer, et puis bon, voilà, vous vous entendez, tu lui donnes ce que tu vas lui donner, ça va te faire, tu vas éviter la pension alimentaire, tu vas continuer ta vie en paix. Le jour que tu as, tu donnes, le jour que tu n'as pas, tu ne donnes pas, c'est tranquille. Il n'a pas écouté, je ne sais pas, il a d'autres conseillers maintenant qui lui ont dit, ok, va faire la guerre, c'est son problème. La guerre avec les enfants, c'est pas bon. Aujourd'hui, je ne suis plus son conseiller. Aujourd'hui, je suis plus à côté de lui. Aujourd'hui, je cause pas lui. Ça fait un an pratiquement, on ne cause plus. Parce que je me suis rendu compte que il m'a sali partout. C'est la raison pour laquelle je ne cause pas avec lui. C'est la raison pour laquelle NG$ ne cause pas avec lui. Il nous a vilipendés dans toute la ville. Jusqu'aujourd'hui. Si ce n'est pas Andy qu'on accuse, NG$ qu'on accuse, c'est moi qu'on accuse d'avoir gâté son mariage. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre avec son mariage? Mais quand il dit que tu as gâté son mariage, il ne voit pas que malgré que tu es un très grand yasseur, tu as ta femme à la maison. Tu as ton ménage que tu respectes. Qu'est-ce qu'il parle là? Quelqu'un gâte le mariage de quelqu'un. Ils ont dit que j'ai gâté, ils racontent partout, j'ai gâté le mariage, c'est moi qui amène Mercedes partout, c'est moi qui donne Mercedes aux hommes, c'est moi qui ignore ces Mercedes. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous m'avez déjà vu avec une femme qui est moins de 1,80 m. Mais arrêtez de me salir partout. Ah oui. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois ami avec Mercedes. On connaît le genre là. C'est pour que vous ne... Il m'a dit, il raconte partout. Tu ne peux pas être mon frère et tu marches avec Mercedes. Ou tu choisis entre Mercedes et où c'est moi. J'ai des petits frères. Entre toi et moi, il y a une différence de moins de 10 ans. Tu ne me dis pas ce que j'ai à faire. Et à partir de jour, je ne m'appelle même plus jamais dans ton truc. Ah. C'est ça qui ne sait pas. Parce qu'il m'a mis devant le fait. Il me dit, j'ai choisi entre lui et Mercedes. Mais tu es fou. Tu es fou. C'est pas toi qui choisis mes amis, c'est pas toi avec qui tu choisis avec qui je marche. Non, c'est ça qui me fait, je ne cause pas avec lui. Ah. Et c'est la même chose qui fait NG$ ne cause pas avec lui. Il dit à NG$, tu choisis ou c'est Mercedes ou c'est moi. Tu ne sais pas pourquoi, parce qu'il ne veut pas qu'on se retrouve dans une même salle, lui, Mercedes, parce qu'il y a beaucoup de vérités qui vont sortir. Mais pourquoi quand les gens ratent leur mariage, ils veulent toujours mettre sur les autres? Moi, je ne comprends pas. Mais je ne sais pas. Mais est-ce que quelqu'un gâte le mariage de quelqu'un? Pourquoi les gens réfléchissent souvent comme ça? Le mariage, c'est deux personnes qui vivent dans la maison. Parce que j'en ai marre. Tu l'as aidé. On a vilipendé tout le monde. Tu passes partout. Fais attention. Ton arrêt de mort a déjà été signé. Fais attention, sinon on va t'empoisonner. On va faire ceci, on va faire cela. Mais petit frère, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Mais lâchez-moi. C'est incroyable, hein? Pourquoi quand les gens ratent leur mariage, ils accusent toujours les gens? Il a raté son mariage. Il y a un truc. Qu'est-ce qu'il fait même, Mercedes? La goutte d'eau qu'il fait, aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Ils ont eu un cordé. Ils ont eu une rencontre au tribunal dernièrement. Ça s'est passé comme ça s'est passé. L'autre a demandé la maison, l'autre a demandé ceci, machin. Encore la même tante, elle a fait un message de provocation à Mercedes. Mais nous, on lui a dit, Mercedes ne répond pas. D'abord, c'est pas moi, c'est ta belle-mère, puis c'est pas moi, vous pouvez retourner ensemble, on ne sait jamais. Ne la,
Personne. Elle a dit, je vais réfléchir. Elle a réfléchi comme elle a réfléchi. Aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux. C'est encore elle, ce sont les mêmes gens qui vont chercher les problèmes. Qui provoquent, et ils ne vont pas dire. Et je vais revenir à cette histoire d'éclair. Je vais revenir à cette histoire d'éclair. C'est pas une histoire qui est fausse. C'est pas une histoire qui est fausse. C'est dangereux, hein. C'est très grave ce qu'il a fait, hein. J'ai supplié, comment ça s'appelle encore, Cynthia? J'ai supplié, en fait, même Cynthia, même aujourd'hui, je parle même pas avec elle, parce que c'est à cause de ça, ce soir-là, je ne voulais même pas entendre parler de ce qu'elle racontait, je ne voulais même pas entendre parler, parce que je ne l'imaginais pas en train de faire ça, je ne l'imaginais pas en train de faire ça, je ne voulais même pas croire. Il sait qu'il peut finir, il ne faut plus qu'il fasse ça, il peut aller en prison, hein. Il va faire ça, il va se retrouver en prison, hein. Là-bas, chez vous, aux États-Unis, là. Moi, je vais dire, à ta famille, je vais dire à ta famille qui est sur les réseaux sociaux en train de raconter n'importe quoi que cette histoire-là est faux. Je vais vous dire, dans le Maryland, il y a ce qu'on appelle le statut de limitation des affaires. Par exemple, les affaires de viol. Et ça n'a pas de durée déterminée. Ça n'a pas de durée déterminée. Donc, ça veut dire que si Claire peut se lever maintenant, là, n'importe quand, jusqu'à quand elle va pouvoir aller faire, elle va faire du mal. C'est grave, ça. Il faut faire attention, il faut faire attention à ce que vous dites. Vous sortez là dehors, vous racontez des histoires. Faites très attention. Moi, je m'adresse maintenant à sa famille. Faites très attention. Parce que vous n'allez pas vous n'allez pas nous rouler dans la boue. Mais je dis, père, les gens sont même bêtes. Ah, Kelly, il est en prison, non? Pourquoi les gens sont bêtes? J'ai vu une émission aujourd'hui. La femme, là, ça fait 13 ans, elle a porté plainte. On a arrêté la personne. 13 ans plus tard, eux, ils parlent de quoi? C'est quoi qui... Oh, vraiment. Les gens s'amusent, hein? Les gens s'amusent. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est... Tu vois, tu as un enfant qui a une famille qui le suit dans la bêtise. Il n'y a personne qui va se lever et dire que petit, à cet instant-ci, là, on s'arrête. Soyons lucides, allons causer, allons négocier, allons parler aux gens. La guerre ne résout pas tout. Ben, sans parler, excuse-moi, j'ai des questions, j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que c'est vrai que Mercedes a acheté sa maison après la séparation? Mercedes a acheté sa maison après la séparation. Oui. Mercedes a acheté sa maison après la séparation. Entre-temps, le gars vit aussi ailleurs, n'est-ce pas? Le gars vit ailleurs, oui. Oui, mais est-ce que le gars a le droit de réclamer sa part sur la maison que Mercedes a achetée? Moi, je ne comprends pas. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Non, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là dans la bêtise. Nous sommes encore dans la bêtise. Parce que à partir du moment où vous êtes légalement séparés, tu n'as même pas, il n'y a aucun juge, il n'y a aucun juge qui va t'accorder ce droit-là. Mais par contre, sur son agent qu'on appelle le 401k là, qu'elle a cotisé, comme il y a une intervenante qui a dit l'autre jour là, qu'elle a cotisé entre temps qu'ils étaient. Oui, mais maintenant survient la question de la morale. Elle est où? Tu sais pertinemment que dans ce pays, si tu peux marcher maintenant haut et fort, dire que tu as le papier, c'est à cause de cette fille-ci. Pourquoi aller jusqu'à là? Et je ne l'ai même pas dit, parce que ce qu'on appelle la pension alimentaire, le juge a décidé 1200, je crois que c'est dans les 1200 $, d'après ce que j'ai compris. Ils ont deux enfants. Et il y a un enfant qui va à la crèche. Il y a un enfant qui va à la crèche. Et cette crèche-là coûte $250 par semaine. Ça veut dire que seulement la crèche, les 1200 $ que tu donnes, partent. Il n'y a même pas la nourriture dedans. Wow. Donc, ça revient encore à ce que je lui ai dit, petit frère. Va négocier. Il n'y a pas la force dedans. Il n'y a pas que celui qui te dit qu'il y a la force dedans. Demande, même ton avocat. C'est que l'avocat fantoche.
L'avocat veut son argent, non? Est-ce que l'avocat s'en fiche? Et après, quand tu as dit les histoires, des histoires à dormir debout, tu vas négocier. Tu appelles, tu dis, écoute, ça ne donne pas sur moi, tu négocies avec la mère des enfants. Elle n'est pas partie tuer. Ouais, le Christian, arrête ça. Pourquoi est-ce que tu vas t'asseoir? Pourquoi est-ce que tu vas t'asseoir? Tu vas demander. Il y a quelqu'un qui dit là que tu connais l'histoire. Je connais l'histoire là de fond en comble. De fond en comble. Je suis en plein dans cette histoire. Ne lis pas les commentaires. Ne lis plus les commentaires. Causons comme si on causait. Ne lis pas les commentaires, pardon. Ah. Oui, ne lis pas les commentaires. Causons comme ça, comme si on causait normal, tu vois, comme si on causait à deux. Ne lis pas les commentaires, sinon tu vas lire les choses qui vont t'énerver. Mais moi, je ne comprends pas, père. Gomez, ce que je veux savoir, c'est qu'un, pourquoi les gens ne se réunissent pas pour lui dire, cette fille t'a aidé. Vous avez deux enfants. Ça ne sert à rien de faire la guerre. Chacun peut aller faire sa vie. Si le mariage n'a pas marché, chacun va faire sa vie. Non, mais c'est parce que autour de lui, c'est parce que autour de lui, il y a des rats en guerre. Il y a des rats en guerre. C'est une fille qui n'a pas été aimée dès le départ. Donc, tu vois, il y a son passé qui va ressurgir, qui... voilà, donc il y a ça, et puis il y a eu des problèmes, il y a des gens qui tirent, bon, écoute, il y a des gens qui tirent des ficelles derrière, il y a des gens qui tirent des ficelles derrière, et puis notamment, j'interpelle son pasteur, parce que je ne sais pas quel est le rôle que son pasteur joue dans cette histoire. Je sais qu'à un moment donné, le pasteur a voulu gnasse, ça c'est clair. Je sais que le pasteur a voulu gnasse. Ouais. Ouais. Donc le pasteur aussi cherche à gnasse. Le pasteur a cherché à gnasse. Parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que quelqu'un peut dire, on a insisté, on a fait un group call. Il y avait moi, il y avait Andy Dollar, il y avait Ivana, il y avait Mercedes quand elle se plaignait. Après on a sorti, mais on lui a dit, ton gars a dit que pour qu'il ait la paix, il va falloir que tu ailles demander pardon à son pasteur. On lui a conseillé d'aller demander pardon au pasteur. Elle a été catégorique. Elle nous a dit, même si elle revoit son père, puisque son père était décédé, personnellement, elle n'ira pas. Moi, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que c'est après qu'elle s'est ouverte, elle a dit, écoute, tenez même pas. C'est le pasteur là qui est à l'origine. Les Congolais, le il est à l'origine de beaucoup de choses. C'est un pasteur camerounais. Ok. C'est un pasteur camerounais. Mince. C'est un pasteur camerounais. Il était ici là, apparemment je le connaissais, moi je ne le connais pas personnellement. On a dit qu'il était ici là, il était vulgaire ici, mais tout à coup il est devenu pasteur. Je ne mets pas en doute sa compétence théologique, mais je sais qu'il a quelque chose dans cette histoire. Un mariage, même d'abord, qu'il y a trop de gens dedans, chacun donne sa part de conseil, vraiment. Nous, les Africains, arrêtons un peu souvent que quand on est marié, on a trop de conseillers autour. Moi, je comprends. Ça ne peut pas marcher quand on a trop de conseillers. Tu es marié, tu vis ta vie avec ta femme. C'est quoi ce mariage-là, les groupes qu'on avait, les amis, machin. C'est quoi ce mariage? Le mariage, ça se fait comme ça. Quand ils commençaient, ils étaient à deux. Ils étaient deux. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, vraiment. Il y a tout un quartier derrière. Chacun tire de son côté, chacun tire ses ficelles de son côté, chacun vient avec ses idées, machin, truc. Et puis, il se laisse comme ça, là, traîner dans la roue au point où nous sommes sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est un désordre. Gars,
Le désordre est collectif, l'échec individuel. Hein. Entre-temps, les autres sont chez eux. Même demain matin, ce problème-ci peut finir. Même demain matin, ce problème-ci peut finir. Tout ce qu'il a à faire, c'est, je ne sais pas moi, appeler son avocat, appeler l'avocat de l'autre, t'arranger, dire écoute. Nous, c'est tout. Voici ce qu'on a décidé. Et qui tu ça, chacun. Chacun va faire sa vie. Et il y a des gens, hein, il y a des couples aussi, ils se sont séparés. 6 mois après, ils se sont remariés. Il y a des couples, ils se sont, 1 mois, ils se sont remariés. Ils ont des enfants ensemble, ils vont s'entendre tout le restant de leur vie. Mais je ne sais pas pourquoi, il faut toujours aller tirer à cause. C'est elle qui paie, c'est elle qui a jeté la faute aux autres. Non, moi je pense que quand ça ne va pas, on se sépare, même s'il y a les enfants. Arrêtons un peu de forcer. On ne force pas l'amour. Un homme qui ne t'aime pas ne va jamais. Ou bien un homme qui ne t'aime plus. Même si tu fais n'importe quoi, il ne va plus jamais t'aimer. Oui. Un homme qui ne t'aime pas, même si tu fais n'importe quoi, quand il a déjà dit qu'il ne t'aime plus, il ne t'aime plus. Oui. Elle envoie les messages. Pourquoi la belle-fille ne la bloque pas? Ah ben, tu peux pas bloquer ta belle-mère. Pourquoi pas? Comment? Pas si ta belle-mère veut te nuire, tu la bloques. Ça veut dire qu'elle est intéressée encore à rentrer dans cette famille. Je suis désolée. Parce que on ne refuse pas. Les gens peuvent séparer, ils se mettent encore ensemble. Mais il faut qu'elle voie aussi ce qui est bien pour elle. Je suis désolée. C'est sa belle-mère, mais ce n'est que sa tante. Ce n'est pas la vraie mère du gars. Oui, oui, c'est sa tante. Tu penses que si c'était la vraie mère, tu penses qu'une vraie maman, tu penses que si la tante, elle était vraiment la mère de Christian, tu penses que c'est que Christian se comporte comme ça? Ce qu'elle a dû. Parce que la mère de quelqu'un reste sa mère. Hein? Oui, après tout, elle va dire, mon fils, ça, non, tu ne le fais pas. Ces gens-là ne veulent pas de son bien. Ces gens-là qui se font passer pour sa famille. Non, mais le problème, c'est quoi? Le problème dans cette histoire, c'est que qu'est-ce qu'il a bien pu dire aux membres de sa famille? Parce que si déjà, nous, ses amis, il nous a manipulés au cours de toutes ces années, mais c'est la même chose aussi avec la famille. Il faut dire la vérité à un moment donné. Oui, mais ce qu'il a dit à sa famille ne peut que le soutenir. Et puis, tu sais, il y a des personnes qui peuvent mentir, même 20 ans comme ça, hibernent tout le monde. Hein. C'est une maladie. Il y a des personnes qui ont double personnalité. C'est-à-dire, quand il ment, tu crois qu'il dit la vérité, il ment avec une douceur, il parle doucement, et tu te dis, mais c'est quoi ça? Moi, j'ai reçu des menaces hein, de part de quelqu'un de sa famille qui m'a envoyé beaucoup de messages. C'est parce que je n'ai pas voulu l'exposer en publiant ça sur Facebook. Je me suis dit que ça sert à quoi? Je ne sais pas. Il m'a écrit, il m'a fait des menaces, comment je n'entrerai plus aux États-Unis. Il a écrit plein, plein de choses. Mais bon, j'ai dit, ça ne sert à rien. Non, moi j'ai vu ce message, j'ai vu ce message venant de... Non, il écrit beaucoup, ce n'est pas que... Il écrit dans mon inbox. Ouais, moi j'ai vu le message venant de ce monsieur, c'est un grand frère que je respecte beaucoup, il a parfois la lucidité, mais là, il a dérapé. Il a dérapé, et puis voilà. Bon, voilà, on peut se foutre le doigt dans l'œil parfois, ouais, ça arrive. Il y a une personne qui veut reparler, je pense qu'elle a écouté ton intervention, et elle insiste à parler, je la prends, c'est NG Dollar. D'accord, merci. Je la prends et puis je mets le père de famille. Il est 23h, demain c'est lundi. NJ Dollar, je la rappelle. Que il tourne, hein? Attends, je comprends pas. Attends, je... Dollar. Il ne comprend pas, parce que moi je ne connais pas. Oui, NJ. Oui, Dollar. Oui, donc, si ma voix est un peu basse, tu m'appelles, je t'ai dit aujourd'hui que je sortais de l'hôpital. C'est bien malade. So, pourquoi j'appelais Vincent là, que s'il peut me donner même d'abord 20 minutes, je vais finir et puis je rentre me coucher. Quand tu m'appelles. Il y a un live que
qu'on m'a envoyé un lien de live qu'on m'a envoyé la dernière fois. Je sais pas, tu as un problème avec une dame là-bas et tout. Et elle a déversé tout ça sur moi. Ça, je m'en fous déjà, je la connais pas. C'est la chèvre, c'est ma chèvre. C'est ma chèvre que j'ai au Ah, c'est ta Canada. peur. Oui, c'est ma chèvre. C'est une roupérou. Parce que quand il part te voir la dame, il faut qu'il donne vraiment. Parce que cette dame, j'ai comme l'impression qu'elle a un problème particulier avec toi. Oui, Et et même si que... Comment même tu... si elle lui expliquer un problème majeur et tout, dès qu'elle va entendre que Flore, elle va prendre le parti. Parce que tout ce qu'elle racontait, au lieu de raconter l'histoire, elle a passé le temps à insulter les gens. Oh, telle est là-bas, telle est lesbienne, elle est bordel, elle fait des Borosangi, vampires et tout. son nom c'est Borosangi. Ah. Ah, Mbé c'est vrai que les gens taguent dans ton truc là, dans l'histoire maintenant. Nyang Nyung. Oui, Borosangi, Bé Nyang Nyung. Elle a dit qu'elle faisait Oui. aussi blessée de guerre. Pourquoi elle n'a pas fait? Elle fuit pourquoi? Il faut qu'elle fasse. C'est une chèvre qu'elle. Je vais te 1 dollar. Tu vas m'excuser. Celle-là, je suis son mari aujourd'hui, demain, après-demain. C'est une femme que j'ai jetée comme une vieille chaussette. Je l'ai fréquentée pendant 4 ans au Canada. Elle m'a exploitée. Tous les ans, je partais faire les soirées là-bas. Quand j'ai dit que je ne pars plus, elle est devenue mon esclave Parce que jusqu'à même la dernière aujourd'hui. fois quand je parlais, je ne vais pas te couper, tu vois. Même la dernière fois quand je parlais, je t'ai dit, je suis un peu décalée sur les bords, je suis folle parce que j'aime m'amuser, je fais, donc je suis un peu, je m'en fous. Mais quand je décide de parler, je dis la vérité. Moi, je dis la vérité devant Dieu, sur la tête de mes enfants. Je n'ai pas besoin de salir quelqu'un. Parce que si je voulais salir quelqu'un, c'est que cette famille m'a fait ici aux États-Unis. Les choses des gens que cette famille est venue me raconter. Et je les vois aujourd'hui rire avec ces gens-là. Si j'étais mauvaise personne, je racontais tout. Et dans ce live aujourd'hui, moi, je ne vais pas faire comme Vincent, hein, qu'il va dire non, mon ami, je sais que tu m'entends, je n'ai plus d'amis. Et je vais te donner avec tous les noms. Ces gens-là vont m'appeler et appeler les chrétiens en face. La famille, pour là, ils vont m'appeler en face. Me demander de répéter, je vais le répéter. 7 ans que je suis aux États-Unis, Flore. 7 ans. Je suis arrivée, celle qu'on appelle Annie, je la connais pas. Je la connais pas. Elle vivait son mariage torturé là-bas à Yaoundé. Elle m'a fait venir son mari aux États-Unis. Aujourd'hui, il avait ses pollutions ici, tout simplement parce qu'elle a fait venir ici. Une femme qui dit être responsable, la même façon elle a gâté le mariage de son neveu, c'est comme ça qu'elle a pourri la vie de son mari. Son mari, je connais ses copines, Alain Tchouet, que je connais, je n'ai pas besoin de me cacher. La Nigérienne, la Camerounaise. Parce que chaque fois qu'il venait dans mon maquis, si sa femme l'appelle, il va faire que j'arrête ma respiration parce que sa femme lui a interdit de venir chez moi. Mais il avait confiance en moi, il savait que non, ces choses ne vont pas sortir. Et c'est le même Alain qui vient encore chez moi, s'il vient avec des amis. Un ami qu'on a dit, oh, la fille, tu travailles, c'est pas ce que j'ai entendu, parce que ce qu'on entend de toi, machin, on ne sait pas que tu es une jolie bosseuse comme ça. Il dit que non, c'est une fille que parmi les bassas, machin et tout, elle n'est pas comme une bassa, elle est comme une bambliquée. Mais derrière, ils n'ont même pas encore fini ils sont pas encore en bas à l'ascenseur et tout. C'est lui qui dit à la personne, Aka, c'est le bluff seulement, je voulais seulement lui faire plaisir. Mais si tu l'as baisé, tu me donnes l'argent, je cause avec elle. Donc j'aimerais bien qu'il explique aux gens combien de personnes lui ont donné de l'argent pour baiser avec moi. Parce que le jour que sa femme va me demander, amène-moi où mon mari dort souvent, je vais l'amener. Parce qu'il a menti plusieurs fois à sa femme, parce qu'il travaille la nuit. Il mentait à sa femme qui partait au travail alors qu'il partait dormir chez une Nigérienne. Je vais verser tout aujourd'hui. Les Wow. gens, les amis qu'on a ici en commun aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle ne m'a pas dit sur, comment on appelle, Jeannette? Qu'est-ce que je n'ai pas aussi appris sur elle dans les familles des gens? Je ne parle pas de ça. Parce que c'est leur problème. Je suis arrivé aux États-Unis, je les ai trouvés. Le reste, je commence mon histoire quand j'entre aux États-Unis. Ce qui s'est passé avant ne m'intéresse pas. Parce que de la même façon, on va me parler des gens, c'est comme ça qu'on va aussi parler des gens de moi. Je les connais très bien depuis le Cameroun. Je ne fais pas des conneries. Moi, on m'a traité de bordel de prostituée. Leur nièce, qui est la petite sœur du mari de Mercedes, qu'est-ce que je n'ai pas appris ici d'elle?
Elle est partie, elle s'est mariée au Cameroun, elle est arrivée ici aux États-Unis. Le même mois, elle a déménagé. Donc, elle est partie la même année encore. Pourquoi? Parce que j'ai suivi son forfait. Elle ne pouvait pas rester avec son mari aux États-Unis. Parce que son travail, c'était sortir avec les maris des gens. Jusqu'à on m'a dit qu'elle a bagarré dans le salon de Mapo. Je donne les noms, comme je suis en train de dire. Elle vient me dire que je mens. Elle, je n'ai jamais eu de problème avec elle. Peut-être elle parlait de moi par derrière. Mais ton histoire, je l'ai suivie. Et je sais qu'on dit aussi des choses sur moi, donc chacun a sa vie. Aujourd'hui, celle qui reste me traite de lesbienne, leur sœur qu'on appelle Mimi, elle a ouvert le téléphone. Je suis au téléphone avec ma mère. Elle est venue me rendre visite. On est au téléphone, je l'appelle. Parce que c'est la seule avec qui je m'entendais même un peu au Cameroun. Parce que je voyais, elle était une fille, elle était free, machin et tout. Elle racolait un peu les gars du quartier. Parce que personne au quartier, PK10, n'aime cette famille. Parce qu'on les connaît, c'est des sorciers. Des jaloux, haineux. C'est comme si ils sont fâchés que Dieu a pris quelque chose chez eux, ils ont donné aux gens. Comme je dis là. Je n'ai pas besoin de me cacher, Flo. Je code, mon adresse, c'est le 6-0-0 Libet. Pourquoi tu ne donnes pas l'adresse? On cause. On t'écoute, explique ton histoire. Ne donne pas ton adresse, yes. Pourquoi? Non, parce que moi, les menaces là, moi, j'aime les suivre, j'aime les écouter. J'aime les écouter. Parce que quand on m'appelle pour me demander parmi les amis de Mercedes, est-ce que tu vas témoigner, machin, parce qu'ils savent. Moi, je ne suis pas Vincent, je ne contourne pas. Parce que Vincent est Christian. Donc, ils vont m'excuser. Hein. Même Vincent, là, c'est la merde. Ils ont baisé, ils ont fait les partout, ici, partout. Les mêmes femmes. Ouh, j'ai senti ça. Quand il parlait là, qu'il y a ce professionnel, j'ai senti qu'il a fait la pisse. Ce qui énerve Vincent, c'est que son petit papa plutôt dit à sa femme que s'il ne l'aimait pas, c'est qu'il fait les conneries de Vincent, machin et tout. Tu ne peux pas faire des choses avec ton ami, tu parles sali chez ta femme. Et tu portes encore les mêmes conneries que tu fais avec ton ami, tu ne pas dire à sa propre femme. Waouh. Tuez-vous ici, la baiser les femmes ici, là, ne traversez pas, vous partez dire à vos femmes. Le record de ça. Oh là, Yasso. Parce que vous avez vos femmes. La femme que tu as chez toi, tu ne prends pas un bordel, tu l'amènes chez toi. Il y a des hôtels. Même dans ma propre maison, ils ont voulu baiser les femmes ici. J'ai dit non. Le seul sperme qui va dans sur mon lit, c'est le sperme de l'homme qui me baise. C'est ça. Dans mon ancienne maison, quand j'avais le townhouse, j'avais les chambres libres là-bas. Que je ne voulais pas les locataires, je voulais vivre seul. C'est tout. Bon, comme le corona a shot dans mon business, je n'avais plus assez de clients. Où j'ai pris un appartement, ici là maintenant, deux chambres, j'ai mis un locataire. Ah oui. Je vends ma culture. Je travaille la nuit, je travaille de 23h à 15h. Mon piment là, c'est mon travail. Je peux être dans une relation, je rencontre un homme aujourd'hui, dans une semaine, on s'entend plus, je pars, on me voit avec l'autre. Si ça, c'est la prostitution, je vais me prostituer toute ma vie. Ça, je le dis encore. Rwanda. Celle de Annie, quand j'arrive ici aux États-Unis, je pense, la dernière fois je l'ai dit, je pensais que je partais vivre chez Christian. Quand je dis vivre, c'était pas vivre gratuitement. Hein? Mm-hmm. Ils vont me dire combien je vais payer. Ça arrive donc que Christian avait sa femme à la maison, il ne peut pas habiter chez lui. Je pars chez Annie, d'où je commence à connaître Annie. Mais j'ai fait deux semaines chez Annie. Mm-hmm. Elle a jeté mes choses dehors. Il neigeait. La tante de Christian, c'est elle qu'on appelle Annie, elle a jeté mes choses dehors en pleine neige. Pourquoi? Parce qu'elle vivait dans une maison. Ils ont loué un appartement de trois chambres, dont chacun payait, je pense, 500. Elle a voulu contrôler ma vie. Déjà, comme elle est aux États-Unis, ça fait peut-être 4 ans ou 5 ans, je vais faire tout ce qu'elle veut. Si je dois causer avec quelqu'un, je dois lui demander. Si je veux être amie avec quelqu'un, je dois lui demander. Je sortais avec une petite fille qu'on appelait Manuela. Elle avait son gars, la période là même. Je suis arrivée ici, Manuela était enceinte. Elle m'a dit, comme tu les vois là, ce sont des pambliqués, ce sont des gens qui sont sournois et tout. Celle-là, ses parents l'ont envoyée ici au Maryland pour fréquenter. Elle n'est pas venue fréquenter, elle est venue suivre, elle est venue gâcher la vie de Yannick, qui est son gars. Oh, ses parents étaient visés par épervier depuis le Cameroun. Il a seulement fui le Cameroun. Ça, un jour, j'ai dit à Manuela. J'ai dit un jour à Manuela tout ça. Hein?
J'ai pas ouvert la bouche pour le dire. Chacun vient me dire. J'ai pas besoin de raconter ça. Si je casse les papas aujourd'hui, c'est parce que j'en ai marre. Je suis toujours la mal visée, la mal vue. Que quand quelqu'un va rester, venir me parler, comment on appelle? Celui qui m'a appelé la dernière fois, c'est leur oncle. Leur oncle qui est à Atlanta. Il est au courant bien des problèmes qu'on a depuis. Parce que je ne vais pas me cacher, quand on est grand, on est grand. Tu ne vas pas faire comme si peut-être tu me portes en cœur. Je lui ai dit cache la dernière fois que si je tombe un jour, un membre de leur famille me porte, je me réveille, je pars avec lui. Laissez-moi, on me porte, on me jette dans n'importe quel cimetière aux États-Unis. Parce que je suis fatigué, l'hypocrisie là, ça doit s'arrêter. Est-ce que vous êtes même obligé de vivre en communauté, de vous fréquenter? Le mari de son neveu, elle-même qui couche avec le Béninois jusqu'à présent, pendant qu'elle a son mari à la maison. Ouh, waouh! Hein, maman? Ça, on en parle. Femme mariée qui trompe son mari, qu'elle a fait venir, qui aux États-Unis, ça, c'est plus que le waka. Waouh, ça sort déjà. Mais il y a la bordellerie là-bas, hein, aux États-Unis, là. Il y a les comptoirs. Maman, en vous parle. Vous allez vous tenir, commencer à dire que non, regardez comment elle s'habille, qu'elle vient d'arriver, ça veut dire qu'elle vend son corps. Toi, tu fermes tout ton corps là, mais c'est toi qui es dans les chambres des hommes mariés. Parce que le Béninois, elle est mariée. Elle-même, elle est mariée. Donc, ils sont dans un couple à quatre. Waouh. Waouh. C'est chaud. Ils sont dans un couple à quatre. C'est chaud. C'est chaud. Quand les gens m'appellent, me disent que non, il faut un peu aller répondre à l'autre dame là. Je dis non, je ne réponds pas aux désespérés. Elle ne connaît aucune. Elle ne joue pas. C'est une femme qui n'a jamais joué. Elle ne mouille pas. Elle est sèche. Quelqu'un de cette famille peut démentir ce que je veux. Que la personne vienne ici là parler. Bon sang, c'est une femme qui est sèche. Je commence à dire que vraiment, l'histoire, si me fait mal, quand je parle, je tremble. Tu trembles parce que tu mens. Bon sang, il ne mouille quand pas. Quand on dit la vérité, elle est sèche. On ne ment pas. Dès qu'il arrive aux États, je vais manger dans ton ganda. Quand on va manger, on va boire. Si c'est encore l'autre là, même si ce n'est pas ici. Parce que dès que je vends, même si je vends mes 1000 dollars, je ne vais pas boire encore toi avec. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit que non, aux États-Unis, c'est sûrement la fête, il faut voir où ils vivent. Qu'elle vienne voir où je vis, qu'elle aille casser ma maison au Cameroun. Regarde-moi. Quand je fais mon désordre, je sais d'où je viens, hein. Je sors d'une famille pauvre. Hein. Et bordé, refoulé comme ça, qui parle. Je suis maman de trois enfants. Ah. Malchance. Pardon, dis-nous donc, elle t'a jeté dehors pendant. Et dis-moi un peu. Quand il y a ça, le Béninois. J'étais dehors parce que je marchais, parce qu'il y a une amie ici qu'on appelle Poupina, elle m'a trouvé du boulot. Je venais juste d'arriver, ça faisait peut-être trois semaines, genre, on me payait on the table. Donc je n'avais pas encore mes papiers, le papier légal pour travailler. Mm-hmm. Elle m'a trouvé un petit truc, on me payait 10 dollars. Elle s'est fâchée jusqu'à dire aux gens que pourquoi on veut me montrer que les États-Unis sont faciles. À peine arrivé, on veut que je travaille, machin, tout. La jalousie des anciens Benguis. Elle s'est fâchée. La jalousie de ceux qui sont là avant. Ils sont comme ça. Mais dis comment tu ne les connais pas, ce sont les hypocrites, machin, c'est monté, c'est descendu. Je suis ici avec eux, mais ce ne sont pas mes amis. Que Manuel appelle pour lui dire que Ange a dit dans le live que qu'elle discute. Si elle ne m'a pas dit que le père de Manuel allait apporter à fuir le Cameroun pour venir ici là, parce qu'il perdait les suivants. Mais c'est elle qui appelle Manuel tous les jours, ma fille. Mmh. Manuel prend son argent pour aller se tresser chez elle. Mmh, mmh. C'est une tresseuse, hein? Oui. Ma, excuse-moi. Quand Ignace avait le Togolais, là, c'est où? C'est dans quelle maison? C'est à l'hôtel ou bien c'est chez elle? Ils ne sont jamais... ces gars-là ne vont jamais à l'hôtel. Ah. Si c'est pas chez eux. Si c'est pas chez eux, c'est que chez Langa. Ils ne vont jamais à l'hôtel. Non, je dis la belle-mère, là. Quand elle go Ignace comme ça, comme Ignace, là. Comme elle est mariée, elle a fait venir son mari du pays. Maintenant, quand Ignace avait son show. Non, mais là, présentement, ils sont obligés d'aller à l'hôtel. Puisque ils ne peuvent plus aller chez elle. Mais quand je vivais avec elle, le Béninois est venu. Il venait souvent la baiser là, à la maison. Parce qu'on chante. Elle criait fort. On partageait la même chambre. On partageait la même chambre. Son matelas était d'un côté, le mien était de l'autre côté. Quand le Béninois arrivait, je dormais au salon. Et je missais dans la chambre. Ouh. Ma, elle criait fort. Elle criait. C'est même ça encore qui l'a séparé de Christian. Ouh. Parce que quand son propre frère, cette dame, son propre frère, la met dehors avec son neveu,
on les met dehors parce que même entre ils ne se supportent pas. Il a chassé, il a dit à la femme et son neveu que vous êtes en train de vouloir gâter mon mariage. Je ne peux pas perdre ma femme à cause de vous. Il les a chassés. C'est ce que le petit, c'est ce que le neveu n'a pas pu faire parce que c'est sa famille qui gâte son mariage. Donc elle ramène carrément un homme, un chaud béninois dans la maison où elle habite avec son neveu et le gars, la nièce dans la chambre pendant que neveu est aussi dans l'autre chambre. Son neveu s'est plaint chez Vincent. Ben, mais là, elle peut me supporter à ma chambre et tout. Je ne peux pas être couché dans la chambre à côté. J'entends ma mère en train de gémir là-bas de l'autre côté. C'est là que elle-même et son neveu se gâtent encore. Ouh! Waouh! 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 C'est grave. C'est grave aux États-Unis, hein? Mais je ne comprends pas. Ça, c'est une femme mariée, ça. Elle est mariée. Elle a fait venir son mari du pays. C'est moi seul qui suis mariée. Une bordel. Vraiment, une vraie bordel. Les autres sont propres. Ça, c'est la bordel. Ça, c'est le piment en gros, ça. Ça, c'est le piment. Piment privé. Vraiment. Regardez, les femmes mariées. Hein? On était la dernière fois à la fête. Elle est arrivée là, quand elle m'a vu, elle n'a même pas pu faire 20 minutes. Elle est incapable de me regarder en face. Le lendemain, son mari a commencé à appeler tout le monde. Ma femme est quittée, c'est à quelle heure? Ma femme est quittée, c'est à quelle heure? Parce que lui, il sait qu'il est coquifié. Waouh, ouais. Tout le corps lui fait mal. Ouais. Ouais. Les hommes souffrent aux États-Unis. Hein. C'est comme ça aussi que les femmes souffrent. Donc? C'est comme ça aussi que les femmes souffrent. Donc, chacun niaise de son côté. Si je comprends bien, le mari niaise de son côté et la femme niaise de son côté, quoi. Il y a trop de couples à quatre ici. Ouh, c'est... Mais... Waouh. Waouh. États-Unis, oh. Oui. Mahama. C'est grave. Waouh. Nous, on découvre la vérité des États-Unis, hein. Vraiment, merci beaucoup. Parce que nous découvrons vraiment la vraie vie. Mais ce que les gens ignorent... Je te reprends après. Je vais, sauf si tu avais encore quelque chose pour finir. Non, moi, je t'ai dit... Je serai pas long. Moi, je dis ce qui est nécessaire et ce qui est vrai. Celui qui va douter t'appelle directement et te dise que je mens. Tu m'appelles, je donne les jours, les dates. C'est ça qu'il faut. C'est de ça qu'il s'agit. C'est chez moi que tout se passait. C'est chez moi. Waouh. Chacun trompait sa part. Waouh. C'est grave, c'est hein. C'est moi que chacun trompait sa part. Mince. Moi, j'ai l'Ouganda. Et tu vois, un professionnel dans l'Ouganda, je ne peux pas afficher tel est venu avec le show, tel est venu avec l'engagé dehors et tout. J'ai gardé ça pendant des années. Waouh, non, laisse continuer. C'est moi, la mauvaise. On va tous plonger dans la lagune. Non, laisse, c'est rien. Laisse-moi, laisse. À tout à l'heure, hein, je vais la couper. Je vais brancher mon téléphone, c'est en train de... Mon téléphone, mais c'est grave, hein, ma. Mais les États-Unis, là, vous avez entendu? Maman, chacun niaise de son côté. Voilà les mariages. Et il y a quelque chose de très grave. Est-ce que vous savez que Mercedes est arrivée au Cameroun? Pendant qu'elle arrive au Cameroun, elle prend sa nièce qui l'accompagne, qui est une grande fille et qui est à l'université. Sa nièce vient la rendre visite. Elle présente sa nièce à son beau-frère. Voilà ma soeur. Elle présente sa nièce. Comme tu peux être dans le mariage, tu ramènes ta nièce et dis que bon, voici ma nièce. Mes chers et soeurs, c'est très grave. Le neveu de Christian dans cette famille est passé par derrière draguer la nièce de Mercedes. Mes chers frères et sœurs, une fille intellectuelle que ses enfants, ses parents ont investi pour qu'elle aille à l'école. Le neveu de Christian a enceinté la nièce de Mercedes. La famille pleure. Double destruction. Mercedes, ton mariage est fini aux États-Unis avec Christian. Mais quand tu es allé au pays, quand tu étais allé au pays pour te présenter dans la belle famille, ta nièce est venue te saluer.
Elle a échangé le numéro avec le neveu de ton mari. Aujourd'hui, elle est enceinte de lui. La famille vient de découvrir. Après le direct qu'on a fait là. C'est grave dans ta famille. La colère de ton oncle est... C'est-à-dire que c'est un truc, les jeunes d'aujourd'hui. Comment pouvez-vous faire le cache-cache comme ça? Donc, j'arrive dans une famille, ça dit que vient dire bonjour, j'ai changé le numéro, et derrière, on commence à se voir. Voilà ta nièce qui est enceinte. Enceinte de qui? Du frère, du neveu, de ton mari, que le mari n'a pas donné ici. Oui, la nièce est majeure. Elle est majeure. C'est grave. Pourquoi c'est la double douleur que la famille vit en ce moment? C'est grave. C'est très grave. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de sortir du mariage, que tu sors là, ta nièce a entretenu une relation en cachette avec ta belle famille du Cameroun. Elle est enceinte. Voilà la nouvelle. Voilà la nouvelle. Elle est enceinte. Mon téléphone est en train de se décharger. Ouais, il y a ton grand frère. Il y a ton... Il y a un membre de ta famille. C'est la faute de la nièce, de sa nièce. Oui, on l'a angoissée. On l'a angoissée. C'est le médicament. Eh, vraiment. Ouais, vraiment. C'est quand même grave. C'est pour ça que, hein, vous savez quoi? Vous qui allez souvent au Cameroun, là, il ne faut pas donner souvent l'occasion trop à vos nièces, les neveux, de causer avec vos amis. Il ne faut pas donner, il ne faut même pas donner l'opportunité là. C'est quoi ça? La grossesse est entrée. La famille est désespérée. Je mets le message de l'œuvre du père de famille. Le père de la famille de Mercedes qui a laissé un message. Malgré tout ça, il a laissé un message. Je vous fais écouter. Il y a le truc qui veut s'éteindre, le téléphone. Qui veut s'éteindre. Oui, le neveu vit aussi au pays. Le neveu vit aussi au pays. Comme vous entendez, comme vous voyez les choses. Il vit au pays. Il a enceinté propre. Est-ce que ça se fait même? Est-ce que ça se fait même d'abord dans quel? Est-ce que même d'abord les choses comme ça, ça se fait? Hein? Ça ne se fait pas. Que tu arrives dans une famille. Je parle même de la nièce là. Elle croyait qu'elle partait que où? Oh, je cherche le... Ouais, je n'ai pas de prise multiple. Ouais. Mon Dieu. Mon téléphone va s'éteindre. Vraiment. Je voulais vous faire... Je vais vous faire écouter la version de... Le message que le père de famille a laissé. Je vais vous faire laisser le, écouter le message. C'est quand même grave. C'est grave. Les enfants d'aujourd'hui. Oh, c'est pas possible. Comment il n'y a pas de prise multiple? Oh là là, c'est pas possible. Oh, ça m'énerve. Les choses qu'on vend partout, partout. Là. Oh là là. La fiche multiple, je vais prendre ça où? Pardon, laissez-moi un instant, j'arrive. Oh. Franchement.
pris le jeudi, non, non. Oh, c'est pas possible. Bon. Le téléphone veut s'éteindre là. Oh, comment il y a le fil? Les trucs qu'on vend même pas cher. Oh, c'est pas possible. Ça, je le fais comment là? Pardon, attendez. Hein. Le téléphone veut s'éteindre. Je vais mettre le message que. Ouais. Affiche YouTube. Quelque chose qui ne peut même rien. Oh, c'est pas possible. Ça, c'est même quoi ça? Là. Possible. Oh, je suis vraiment désolée là. Oh là là, c'est pas possible. Merde, c'est pas possible. Le truc est trop court. Oh my god. Oh là là, c'est pas possible. Ça va juste qu'on m'en voit pas. Maintenant, on clôt cette histoire là aujourd'hui là. Oh là là. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas la fiche YouTube là. Les gens, vous ne partez pas dormir. Waouh. Comment je vais faire? Je n'ai pas la fiche YouTube. Le téléphone va s'éteindre là. Un truc qui ne coûte même rien. Le truc est trop court. Oh purée, c'est pas possible ça. Le téléphone, ça ne va pas tenir. C'est trop court. Oh, je fais comment là? Vous voyez alors que faire les directs là, c'est facile. Parce que si je faisais écouter, attendez un peu, je laisse ce message, je fais écouter un message du père de famille là. Le problème c'est que le tube va s'éteindre. Et voilà. Je vous fais. Dans combien de temps? 15%. Ça peut. Désolé, hein? On écoute. Allô? Bonsoir, maman Mafo. Moi, c'est Moïse. Comme nous sommes échangés après le direct de dimanche, je vous ai promis que je devais revenir vers vous. Parce que. Il y a par rapport à cette situation du direct de blessés de guerre que ça atteint vraiment davantage l'image de la famille et entache les esprits dans la famille par rapport à cette situation que ça n'a que duré très longtemps et que nous, les membres piliers de la famille, nous n'étions pas du tout au courant de ce que notre fille vivait là-bas aux États-Unis. Et justement, j'ai été très choqué, en tant que chef de la grande famille, de toute cette grande famille, d'entendre ce qui s'est passé avec notre fille, comment elle vivait aux États-Unis, ce qui s'est passé. Nous ne serions jamais si le direct ne serait arrivé, parce qu'elle-même, elle ne nous a jamais détecté. Cela. J'ai fait le tour de la famille. Personne de la famille n'a pu me donner autant d'explications comme on a suivi le dimanche passé. On ne savait pas ce qui s'est passé. Notre fille a caché beaucoup de choses. Peut-être parce qu'elle aimait son mariage, peut-être parce qu'elle elle a voulu faire ce mariage. Mais non. Il y a beaucoup de réalités qu'elle ne savait pas. Et j'ai dit encore à cela, Dieu merci que sa maman soit à ses côtés, parce que ça aurait pu tourner au pire. Et peut-être que le pire est en cours, ce que nous ne souhaitons pas, parce que généralement, lorsqu'on parle de guerre,
Le plus souvent, on maîtrise la dette à laquelle nous allons en guerre. Mais on ne sait pas quand la guerre finit. Quand la guerre finit. On ne mesure pas les conséquences d'une guerre. Donc, moi, je prends la parole aujourd'hui pour mettre fin à cette situation et interpeller M. Christian, l'interpeller vraiment de faire, d'être un peu digne, d'être un homme vrai et de comprendre que non, il y a des situations que pour un homme jeune comme il est, si il peut comprendre qu'il sache qu'il a encore toutes les potentialités pour s'en sortir dans sa vie. On n'a pas besoin d'une guerre. L'amour n'a pas besoin de la guerre. Quand on atteint le niveau où il y a des incompatibilités d'humeur, il est normal qu'on doit se séparer. La vie, elle est précieuse. Donc, moi, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Quand même, il y a des choses que moi, je veux préciser, que je me suis senti un peu très gêné par l'attitude de Christian. Et nous avons des choses, parce que notre fille va nous rendre compte dans la famille, pour certains nombre de choses. Là, c'est l'autre cuisine interne. De même, Christian, je pense qu'il doit rendre compte dans sa famille de certains nombre de choses. Et c'est la cuisine interne. C'est sorti, c'est devenu public. On peut plus faire. On peut plus faire chemin retour. C'est parti, c'est parti. Donc, moi, j'essaie de noter certains points. Le fait que Christian, étant marié à une autre femme, se permet de se taper une copine dehors qui est une autre fille. Il a violé beaucoup de lois devant Dieu. Ça veut dire que lui-même, il a appelé le diable dans son chemin. Il a appelé le Satan de venir gérer sa vie, d'être maître de sa vie, en déshonorant le mariage qui est sacré. Ça, c'est autant d'actes qu'il a posés. De deux, il va vivre avec une femme enceinte et qui n'est même pas son enfant. Il se tape une autre dehors. Finalement, il se divorce pour prendre celle qui était dehors. Alors, quand toi-même tu dessines le diable sur ton mur, tu t'attends à quoi? Et ensuite, comme ça ne suffit pas, il prend celle-là, qui est notre fille, ils vont faire la vie ensemble. Objectif, mariage, sans suivre la procédure normale, selon nos coutumes. Il a violé nos lois traditionnelles, nos lois coutumières. Une fois de plus, en se positionnant à la mairie et en signant devant l'État un engagement de mariage, sans suivre le mariage coutumier, qui est le mariage qui les lie à Dieu. Tout ça, sa famille était en courant. Ils n'ont pas réagi en disant que non, notre fils n'est pas comme ça. Quelles étaient les raisons? Aujourd'hui, tout le monde peut penser que c'était un jeu d'intérêt. Nous, Christian et Lula, et Christian, je veux dire Christian et Mercedes, se sont mis ensemble. Et nous ont trompés, nous les membres de la famille. Je vais expliquer comment. Nous avons fait des conférences, vidéoconférences, pour organiser ce mariage que nous savons sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les piliers de la famille, que ce soit du côté du père ou du côté de la mère,
nous avons fait un bloc pour organiser ce mariage qui devait être un mariage à venir historique. Il dit bien historique, mais c'est laisse comprendre de quoi il s'agit. C'est pour ça que je parle de l'historique de la famille. Ça a été bafoué. Nous ne savions pas, quand on faisait des conférences, que l'acte de mariage était même déjà là. On savait qu'on devait suivre une procédure. Tout ça a été déshonoré. Je regrette ce jour que Christian est arrivé chez moi. Pendant qu'il me regarde dans les yeux, en cause, je le reçois, ma femme a tout fait pour le recevoir chez moi. Voilà. Nous sommes sortis en soirée. On a fait des choses. Et moi, dans ma tête, je savais que voilà le futur beau. Je ne savais pas qu'en fait, l'acte était même bien signé. Le beau des beaux. Vous trompez tous les familles. Oh, le beau des beaux. Mais l'acte a été signé. Il venait juste pour les formalités. Donc, il s'est constitué en bandit depuis longtemps. Au vu de notre famille. En nous trompant. Il a eu, à l'issue de cette relation, ils ont eu deux enfants. Le pire, c'est que l'autre jour, je suis encore que il a même eu à nier la paternité d'un enfant. Ça, c'est choquant. Nous sommes restés là à se poser des questions. Comment c'est arrivé comme ça? Et comme ça ne suffit pas, Christian, s'il était vraiment engagé dans cette relation, s'il était vraiment engagé dans cette relation, il devait tout simplement, quand il arrive au Cameroun, il n'a pas pu faire le tour vraiment. Il n'a pas pu rencontrer toute la famille. Il n'a même pas pu aller se placer sur la tombe de notre fille, la tombe du père de notre fille, pour prendre cette bénédiction. Parce qu'il était conscient que ce qu'il faisait, ce n'était pas un engagement vrai. Et je lui avais parlé de ça. C'était un menteur, il ne voulait pas. Il m'avait promis que quand il part, il reviendrait avec sa femme, ils descendront voir la tombe du père. Merci. Il n'a pas pu faire ça. Quand j'entends que Christian a tout fait pour que Mercedes parte loger sa mère ailleurs, c'est une abomination. On appelle ça détruire toute une famille, c'est-à-dire la racine qui est la mère porteuse de cette famille. Comment ça peut se faire que toi le beau, qu'un beau puisse dire à sa belle-mère, vouloir que sa belle-mère quitte la maison dans un pays étranger? Vraiment? C'est pour qu'elle vive comment? Non. Chez nous, les Bamékis, ça ne se fait pas. Les Bantous, en général, ça n'existe pas. On n'a jamais vu. Au point que Mercedes a fait cela. Pour l'amour. C'est un péché coutumier. Elle va te mettre à genoux. Mais au vu de tout ça, tous ces problèmes que nous entendons là, ils sont allés vers une situation où la mort n'est pas loin. Alors, nous sommes inquiets. Tous ces points que je note, un,
plus cette pression de légaliser un mariage. Et pourquoi, si tu es sûr que c'est la femme de ta vie, pourquoi courir? Papa, on dit que c'était pour les papiers. Le problème commence quand Christian obtient ses papiers. Voilà, c'était pour les papiers. Arrangé par ses amis et lui. Qu'il obtient les papiers, il n'y a pas eu de problème. Est-ce qu'il ne connaissait pas ce que sa femme, comment sa femme vivait? J'ai changé avec Christian. Il se plaint chez moi. Je devais revenir vers lui, malheureusement. Quand j'ai voulu revenir vers lui, je l'ai appelé plusieurs fois. Il ne prenait plus jamais mes appels. Il a eu ses papiers, il est rentré. Il ne prenait plus jamais mes appels. Il m'a encore pris un papier, pourquoi? Ce qui m'a plus dérangé, ça a dérangé toute la famille. C'est le fait que Christian se permet d'aller toucher nos terrains mères. Comme je disais tantôt, il est allé très loin. Dans nos familles, ça ne se passe pas comme ça. Tu peux appeler la grand-mère, une grand-mère de 90 ans, avec un cœur fragile, qui a tout l'amour du monde pour ses enfants, pour l'exposer les choses de sa petite fille. Vraiment? Pourquoi les gens sont et comme ça? Et de quoi envoyer des images pour la choquer. Tu as vu? Vous entendez même? Et puis, c'est quand Christian prend ses images, prend la version de la grand-mère qui est naturelle. Une grand-mère naturellement à son âge, qui en tant que sa fille fait des choses, naturellement réagit parce qu'elle fait confiance. Elle est loin d'imaginer le genre de situation que sa fille vit là-bas avec Christian. Parce que sa fille nous a cachés. Elle nous a plutôt imposé le respect pour son homme. Et nous, on a respecté cela. À la grand-mère de 80 ans. Il est normal que quand cet homme vient se plaindre de la grand-mère, s'imagine. Il filme là-bas aux États-Unis, il envoie une grand-mère. Si ma fille m'a imposé le respect pour cet homme, ma petite fille m'a imposé le respect pour cet homme, je sais que se plaindre, ça dit que ma fille a commis des erreurs. Et répond en lui disant que si sa fille a fait ça, elle n'est pas d'accord. Elle peut même la maudire pour avoir fait ça. Et que Christian soit en train de prendre ce divorce. Soit en train de se balader aux États-Unis avec les vols de la grand-mère d'une grande famille, comme une grande famille aussi digne. Est-ce que Christian s'imagine ce qui peut se passer? Moi, à sa place, je ne garderai plus jamais les vols de la grand-mère dans mon téléphone. Dans un foyer, tout le monde a des problèmes. Il n'y a pas de foyer parfait. Jusqu'à Christian, moi, je demande juste à Christian. De donner du respect à sa personne d'homme. Parce que, je vais vous prendre l'exemple sur moi. Moi, j'ai fait un premier mariage que j'ai divorcé. Un mariage que j'ai fait légalement. Ce mariage n'a pas marché, c'est pas parce que j'ai suivi le même chemin que Christian a suivi. Mais précipité. Je faisais ce mariage. Je me suis précipité à signer l'acte de mariage parce que je devais voyager, je devais quitter le pays. J'ai eu la pression. Si l'acte de mariage avait parti, j'ai eu une chance à ta femme de venir. Ma famille n'a pas eu le temps de s'accommoder avec la belle famille. Personne dans ma famille, ils ont découvert ces manques. On les a imposés, on a l'ancienneté mariage, on s'est allé s'asseoir dans un bar qu'on a bu sans célébrer le mariage. Donc,
ce mariage n'honorait pas Dieu, qui est le maître et le créateur du mariage. On a subi des conséquences. On a eu des enfants issus de ce mariage, mais ce n'était pas béni. Nous nous sommes séparés. À la suite de notre séparation, j'ai tout donné à la mère de mes enfants. Et j'ai même eu la garde. On m'a laissé les enfants. Elle avait le droit de visite une fois par mois. C'est après qu'elle est venue à la charge, elle a appelé la famille, supplié que je la donne deux des enfants. On a tenu une réunion familiale. Elle a pris deux enfants. Après ça, je suis tombé sur une tchadienne que je devais épouser. Les choses allaient très bien. Mais elle n'accouchait pas. Et elle savait qu'elle avait un problème d'accouchement. Elle ne m'a pas dit. Mais moi, ça ne me gênait pas parce que j'avais mes enfants. C'est elle-même, elle m'atteigne, elle se décide. Elle a déménagé tout l'appartement. Quand je parle de l'appartement, je ne parle pas du studio, de l'appartement. Équipé, toutes les chambres avec des lits. Tout était cher dans cet appartement qu'il avait acheté, le salon, tout. Elle a porté tout. Quand je dis, vous comprenez ce que ça veut dire. Les choses n'étaient pas moins de 8 millions. Elle a sauvé mon compte. Elle croyait que je devais mourir. J'ai juste fait ma prière. Elle n'a pas coupé mes mains. Elle n'a pas coupé mes pieds. La vie est devant. Je n'ai pas regardé ça. Je suis resté avec mes 4 enfants avant de trouver l'ange de ma vie, avant de trouver mon paradis, qui est mon épouse aujourd'hui. Dieu m'a finalement donné une femme. Une femme aux yeux desquelles j'ai suivi la procédure normale. Et pour cela, je suis à 10 ans de vie avec elle aujourd'hui. Nous sommes toujours bénis. Amen. Je suis allé suivre les étapes normales. Toc, toc, d'autres. Réunir les deux familles. Organiser un mariage digne. Avec tous les invités. Dignes. Avec tout le respect possible. Papa, mais c'est bien ça fait dans ça l'appartement aux États-Unis pour donner les papiers à nous. Je demande à Christian d'en faire demain. Merci. Il n'a pas besoin de cette guerre. Christian n'a pas besoin de cette guerre. Quand il y a incompatibilité d'humeur, quand ça peut aller apporter atteinte à la vie de quelqu'un, vous vous séparez. C'est tout. C'est pas la force. C'est pas la force. L'amour, ce n'est pas la force. Les enfants sont là. Restez pour plaire aux gens. Ensemble, on va élever ses enfants. Voilà. Les histoires, on a dit que... C'est pas sa charge à lui seul. C'est les deux côtés. Mm-hmm. Ce qui se passe là, entre Christian et Mercedes, nous n'avons pas ni la famille de Mercedes, ni la famille de Christian. Ça ne nous honore pas. Ça ne nous ressemble pas, nous, les Africains. Il y a des gens qui sont allés à l'école. Quand on parle que l'école, vous avez vu que l'école... Christian, imagine, un seul instant, que cette situation part, et que demain, nous apprenons Mercedes, comme on l'appelle dans les réseaux sociaux, là, dans qu'un instant, un seul de ses cheveux bouge. Est-ce qu'il croit que ça va finir comme ça? Ou alors, si la famille de Christian apprend qu'un seul cheveu de Christian a bougé, est-ce que nous croyons que ça va finir comme ça? Je viens donc aujourd'hui, de par ma voix, trancher ce problème et dire à Christian de mettre fin à tout ce qui se passe. De mettre fin à toutes ses intentions. Et de savoir que lorsque un homme et une femme ont déjà fait d'enfants, le lien est à vie.
Sauf si ces enfants-là décèdent. Si les enfants ne vivent plus, il est évident, il n'y a plus de lien. Mais tant que ces enfants vivent, le lien est là. Voilà. Christian doit réfléchir comment se battre à nouveau, comment réussir sa vie et élever ses enfants et assumer sa responsabilité. Nous ne voulons plus de cette guerre. Comme je l'ai dit à l'entame de mes paroles, en 7 ans, on va en guerre. On ne sait jamais quand la guerre finit. Donc, arrêtez toute hostilité. Arrêtez toute hostilité. Regardez la vie devant. Mercedes s'est déjà détachée. Elle est dans son côté. Elle est dans son coin. Christian reste dans son coin. C'est tout. Christian doit plutôt réfléchir. Quoi, il ne divorce pas? La situation des enfants, l'avenir des enfants. Christian ne doit plus réfléchir à Mercedes. Oui. Là où c'est parti, je me demande, avec quel miracle Mercedes Christian pour que ça soit devant une famille. Et Christian doit honorer la mère de Mercedes. Parce que si je raconte qui est cette dame, je ne sais pas si Christian s'est passé encore quelque part, il parlait encore d'elle. C'est qui est cette dame dans toute la grande famille, que ce soit côté paternel ou côté maternel. Mais mélangez les gens. Si elle arrive au Cameroun et qu'on arrive au village, si Christian voit qui est cette dame, je ne pense pas qu'il parlera encore un jour. Nous sommes d'une famille royale. Tous nos racines sont que de la chefferie. Nous sommes des princes et des princesses. La famille royale n'organisait pas de guerre. La famille royale organisait la paix. Mais la famille royale est la plus puissante que personne ne puisse imaginer. Faisons attention à ce qui va se passer. J'étais sur la tombe de mon père qui est le grand-père de Mercedes ce week-end. En même temps, je suis allé sur la tombe du père de Mercedes. J'ai parlé. C'est pour ça, aujourd'hui, j'envoie ça pour dire à Christian de mettre un terme à ce qui se passe. Parce que je puisse garantir, rien n'arrivera jamais. Parce que toute tentative, rien ne va se passer. Mais le retour aura des conséquences graves. Je sais de quoi je parle. Je sais qui je suis quand je parle. Les enfants étant déjà là, on va toujours se rencontrer. Et quel divorce? C'est comment? Et ce n'est pas tout. Christian est libre de sortir avec quelle fille il veut. Il ne faut pas que Mercedes regarde. Parce que Christian finalement n'est pas le seul. Comment? Que chacun fasse sa vie. Il y a quoi? Ah, je ne comprends pas. Il n'est plus en charge. Chacun fait sa vie, non? Ou bien chacun va taper le fesses. Je ne peux pas compter les autres. Je ne peux pas compter l'autre. Il y a encore un autre tas qui est encore en gestation dans ma famille. Toujours venant du côté de Christian.
et que nous avons porté un petit-fils sans savoir qui est le père. Mais c'est bien, tu as fait ça à ta famille, hein. Hey. Mais le père sort de la famille de Christian. Mm-hmm. Toujours dans le désordre. Quelle malédiction. Mon beau, qui devient le grand-père d'un enfant non digne, parce qu'aucune possibilité n'a été suivie, est blessé jusqu'aujourd'hui. Cette blessure n'est pas encore guérie. Mais on entend encore une autre étude qu'on appelle blessée de guerre. Mais c'est le gars, c'est thème de Facebook. Alors, papa. Moi je dis à Christian de se retracter. Il y a la famille de Christian. De prendre conscience de certains nombre de choses. On ne se lève pas un matin dans une famille pour aller détruire toute une autre famille comme ça. Faire des enfants à cœur et à travers, dans un désordre. Maman. Ma petite fille qui a été enceinte, accoucher un enfant. Son père pleure tous les jours. Parce qu'il a souffert pour laisser sa fille. Parce que son rêve, c'était de voir sa fille réussir dans la vie. Sa fille accouche tard encore à la maison. Christian, est-ce que tu as compris ça? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Ça te passe comme un poste, comme une lettre à la poste. C'est grave. Arrêtez ça. Arrêtez cette guerre. Mettez fin à ça. Mais, vous avez fait fort. Elle a bonne. Je me suis mis en communication, en communion à cause de ce problème. J'étais obligé de me mettre en communion avec le grand-père et avec mon grand frère qui est décédé. Ils sont partis, mais ils sont encore là. Et je dis encore au nom de Papa Sunsa, qui est la racine et de la grande famille de la chefferie Pitala, que ces problèmes soient clos à compter de maintenant. Papa, il n'est pas plus ça. Je vous remercie. Merci. Et je crois que les oreilles ont entendu. On a compris. Et qu'on n'a pas compris ce que j'ai dit. C'était blessé de guerre. À bientôt. À bientôt, papa. Merci. Merci. Donc, c'était blessé de guerre, maman. Double blessé de guerre. Merci. Il a clos. Que chacun prenne sa route. Mais nous, on a compris que, que les gars s'organisent avec les papiers et le stylo. Ils ont les tactiques pour le kaolo et calcul. On vient de suivre ça depuis le Maryland. Pendant que vous êtes là, vous vous pavanez. Les gars calculent que celle-ci, elle a où dormi, elle s'est préparée. Mais elle n'a pas le cas. L'autre, elle est bonne pour la gnasse. Elle n'a pas le kaolo. L'autre, Mboutoukou. Mercedes était alors la Mougou. Elle a été Mougou dans l'histoire. Le plan B du Kaolo. Oui, elle était le plan B. C'est ça. Le monsieur qui a parlé là, l'ami du Niasseur là, les deux Niasseurs, parce qu'ils ont fait les tous pas. Mais il a sa femme, hein. Il a son totem là, bien positionné. Mais dehors, ils font le désordre de la Niasse là. Mais dedans, il a sa femme. Toi, Christian, personne ne t'a trompé. C'est toi-même qui n'as pas su gérer ton mariage. Et ça, c'est même quoi? Tu es dedans. Tu n'as pas encore fini. C'est toi qui cherches encore dehors. Gars, même si on dit qu'on se lance dans la chasse du kaolo, le kaolo, c'est la patience. C'est la patience. Jean Fouda, c'est Ao. Hein? On ne cherche pas les papiers avec la force comme ça.
J'envoie le message directement à un gars là qui se fait passer pour un douala. Mais tu es menteur, tu n'es pas un gars douala. Tu es né à Ndobasi. Tu es un bon gars bassa. Mais tu as passé ton temps à mentir sur ton identité. À Lille. Ta part, c'est dimanche. On va te dénoncer. Tu as escroqué ma copine. Parti avec son nom chez les marabouts. Pour prendre son cerveau. Elle t'a épousé, elle ne connaissait même pas ton nom. Tu as menti sur ton identité. Quand tu es sorti de chez elle, c'est où elle a trouvé une pièce d'identité du Cameroun. C'était ton vrai nom. Tu as fait l'Italie. Tu as tourné partout. Un menteur jusqu'à demain. Tu as entendu mentir une famille, une autre famille où tu t'en vas entrer. On va te dénoncer. Et je peux te garantir que ton chaos le sera retiré. Tu ne vas pas avoir les papiers là comme ça. Si c'est la force que vous venez prendre les papiers des gens avec la force, tu ne peux pas avoir les papiers là comme ça. Heureusement que les prières de ma copine t'ont chauffé, tu as fui. Le père Yebga avait prié sur elle à l'époque. Le père Yebga a prié sur elle. Toi, tu arrives à Lille, un beau ailleurs. Ou bien elle a même fait comment pour que tu l'épouses. Quand tu venais dans son café, dans son bar, son restaurant qu'elle avait, tu mettais l'écorce dans ta poche. C'est comme ça que tu es venu te positionner au comptoir. Le premier jour, tu avais déjà filmé la fille jusqu'à envoyer chez les marabouts au pays. Tu crois qu'on ignore? Tu as porté quoi dans sa vie? Hein? Tu vas remettre les papiers là. On est ici en France. Tu vas remettre et aller chercher ta part. Adultère, c'est toi. Pendant que vous étiez mariés, les photos du mari et les vidéos ont été envoyées à Avignon. Chez le père que tu t'en vas doter sa femme, sa fille. Nous, on a déjà envoyé les photos et les vidéos de ton mariage là-bas. Au père là. Il est tombé évanoui. Tu n'as pas honte, papa, menteur. Tu trouves une fille qui a fait sa vie. Tu as volé son bijou en or. Et le diamant sur ça. Tu as volé même les parfums. On a déjà envoyé chez ton nouveau beau-père, chez qui tu t'en vas mentir là. Tu comprends? Je dis qu'on a déjà envoyé la vidéo quand tu étais mal. Mais je faisais, c'est un menteur. Il se lève, il prend l'enfant de ma copine. Il met derrière la voiture. Il part chez un père là, ici à Avignon. Pour aller, soi-disant, il part faire toquer-porte, mes chers frères et sœurs. On toque la porte en Europe. Tu fais le toquer-porte alors que tu es marié. Vous connaissez ce qu'il a dit au père là quand nous on a envoyé les vidéos du mariage? Le père était étonné, il a dit que il est pas, comme c'est un père Bams. Il a dit que il est mort, tout ça, le père a été dépassé. Parce que le gars est parti là-bas avec le petit, avec l'enfant de ma copine. Il dit qu'il présente, il se présente là-bas, ici en Europe. Il dit que c'est son enfant qu'il avait eu avec une femme. Et la femme l'a abandonné, l'enfant, elle a fui. Alors qu'il est officiellement marié. Je voulais te dire que ta vidéo est déjà arrivée dans ta nouvelle belle-femme. Espèce de menteur que tu sois. Tu es venu chercher les papiers. Tu n'as pas honte. Tu salis une fille que tout le monde connaît à Lille. Comment elle a toujours bien gardé ses enfants. Tu te pointes. Vraiment, les hommes, c'est des menteurs. Hey, Seigneur, les hommes mentent jusqu'à... Ils se pointent dans une belle famille devant un beau père. Avec un enfant, l'enfant de sa femme. Il manquait. Il a eu l'enfant avec la fine fille et la fille avait fui, abandonné l'enfant. Ta vidéo a été envoyée. Date et heure du mariage où tu t'es marié. Tu n'as pas honte. Tu es stock, on connaît.
Tu escroques avec ta mère qui est au pays. Tu as fait les victimes en Italie comme ça. Tu as fait les victimes partout. Tu seras dénoncé dimanche. Tout ce que tu fais là, tu crois qu'on va te récupérer le kaolo. C'est tout. Tes photos seront publiées sur Facebook. Si tu veux, tu peux porter plainte. Je vais mettre tes photos. Appelle à témoin. On va te dénoncer. Tu es un prédateur des papiers. Tu as eu les papiers et tu voulais qu'il ait ma copine avant de partir. Ça t'a loupé. C'est une fille qu'on a priée sur elle. Tu as entendu, non? Donc, hein, tu seras dénoncé et tu n'es pas droit là, tu mens. Tu n'es jamais droit là. Tu es un bon gars, Basaké. Tu n'es jamais droit là. Tu crois qu'on ne te connaît pas? On va bien te dénoncer, tu vas voir. N'importe quoi. Mais que, je suis fatiguée. En conclusion, pour le direct des USA, là, c'est fini. Je vais aller me coucher. Vous avez suivi le beau-père, le père, qui est l'oncle de Mercedes qui a parlé. Il a dit qu'on clôt ce dossier. Ça n'honore pas sa famille. Ça n'honore pas la famille de Christian et qui n'ont pas besoin de faire la guerre. Que chacun prenne sa route. Mercedes doit savoir que Christian est libre aujourd'hui d'aller faire sa vie avec qui il veut. Mais il a l'obligation de s'occuper des enfants. Oui, il a l'obligation de s'occuper des enfants qu'il a fait avec elle. C'est une obligation. Ce n'est pas une faveur. Oui. Et que cette histoire s'est finie comme ça sur Facebook aujourd'hui. Il n'y a pas que ça à parler. Les gens ont plein de problèmes. Il n'y a pas que ça. La semaine prochaine, c'est autre chose. Dimanche prochain, c'est autre chose. Et ça avec mon gars. Si mon gars me laisse parler, je parle. Mais ce qui est sûr, il y aura blessé de guerre. L'affaire de Kofi, est-ce que c'est fini? Il ne veut que donner les faux rendez-vous, non? Hein? On va revenir dessus, il n'y a pas de problème. Qu'elle reprenne le kaolo, il se débrouille. Non, parce que hein, les gens parlent toujours que les papiers, on veut bien donner, mais pas de cette façon-là. Alors, j'ai bloqué quelqu'un. Non, mais que je vais vous laisser, c'est une histoire très très... J'ai trop toussé, j'ai mal au cœur. C'est vrai, je ne fume pas, mais... La toux me dérange beaucoup. Vous voyez que j'ai beaucoup forcé. Merci de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Attendez, parce qu'il y a les gens ici là qui viennent commenter n'importe quoi. Les bilans. Donc, je vous embrasse très fort. Bonne nuit. Je vous aime. Bisous. Bisous à tout le monde. À dimanche. Bye bye.